En bas à droite. Putain, après un an, voilà. Un an. J'ai déjà ma strat là pour avoir des habits gratuits. J'ai déjà ma strat. Peut-être devoir refaire mon inscription, non? Ah non, c'est bon, let's go. Ok. Quoi bah bouge tes locks. Jour le retour d'Alexandra Kim, ça quel plaisir. Putain. Je stresse là. Ça fait trop longtemps ça, merde. Virgule. Ah merde. Action. Mon service. Je peux pas appeler un taxi là? Inventaire, un téléphone. Téléphone actif 555-7544. Vous avez allumé votre téléphone. Votre nouveau numéro est le 555-7574. Ok. C'est quoi la touche pour le téléphone du coup? Cimer FM Aero, merci frérot. W, ok, lourd. Parfait, ok. Ça va pas changer. Contact, non. Life Invader, caméra. Je suis anéanti, frère, y'a pas des taxis. J'ai 10 balles à la banque. La cam. Ouais, mais la cam, je la mets où? Je la mets ici. Ouais. C'est merci à Gobsito pour les 3 mois et merci Ready Boy pour les 5 mois. On va faire ça, je pense. Il a pas blagué le À sub. gauche, ok, à gauche, merci Ready Boy, boum. Va voir la police, t'inquiète même pas frère, voilà. Si, si le sub, si, si. Tu vas faire Zektouné. La cam est trop grosse, allez, on va réduire. On règle tout ça dès le début, comme ça c'est fait. Comme ça c'est clear. Hop. Moi je vais tout fermer sur mon PC aussi, je vais laisser que 5M. Bonjour monsieur, vous êtes taxi? Salut. Salut. Vous êtes taxi? Monsieur, ça? Ah merde, putain, ça va pas changer mes touches tout à l'heure. Chat vocal. Focusrite. Je vais faire un test. Ah. Voulez un petit strepsil? Sensibilité microphone. Faut que je l'augmente. Faut que je la baisse. Putain, je suis abattu, sérieux. Attends, frère, attends, 2 secondes, voilà. J'étais online. Appuyer pour parler, c'est ça, wesh. Bonjour. Ouais, 2 secondes, je Bonjour. peux. Monsieur? Ouais, attends, frère, 2 secondes, voilà. Parle à moi ou le monsieur en. Non, Ouais, bah le monsieur en en caleçon. shorty là. Il a problème de corde vocale, je lui ai donné un strepsil. Ah, Un d'accord. peu mal à la gorge. Ok. Non, voilà, il m'a rien donné, HRP. Je suis sûr que ça marche pas si je mets la sensibilité à fond, ça a pas de sens. Ah, faut bien le sucer, strepsil. Ah, Messieurs? j'ai fait. Ah là, j'ai fait feu le Ah oui. strip-ci là. Ah bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté, enchanté, désolé. Bonjour, Ah enchanté de. j'étais, Quoi, j'étais un, mais j'étais un peu perdu dans mes pensées. Du coup, je sais pas calculer en fait, désolé. Pas, non pas que je vous aime pas ou quoi, hein, c'est juste que genre vraiment. Bah, 10-4, je m'en occupe. J'étais à fond dans. Vous avez dit quoi? 10-4? Oui, je répondais en radio. Hein? Aidez-moi. Ça veut dire quoi ça, 10-4? Bon, ça veut dire affirmatif. Hein? Et pourquoi vous dites pas affirmatif? C'est plus rapide.
Bah, vous pouvez dire ok. Ouais, bon, bref. Ah, c'est dural. Dites-moi, monsieur, vous voudriez pas aller enfiler un pantalon, des chaussures et un petit t-shirt? Bah, justement, monsieur, en fait, j'ai eu un problème, je vais vous expliquer. En fait, j'étais à la plage, donc en train de taper mes meilleurs plongeons et tout. Et là, c'est pas, il y a un enculé. Je le vois, je suis en, tu vois, dans la mer et tout. Et je vois, il prend ma serviette et il y a toutes mes sables dessus, ouais, bien évidemment. Mais... Ah ouais, oh là 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 là. Et comme par hasard, il y avait mon portefeuille aussi dessus. Du coup, bah en fait, là, je suis juste, voilà, je suis pieds nus. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai fait du stop, on m'a déposé ici. Et bah, j'ai pas d'habits, pas d'argent. Du coup, moi, je demande juste, je cherche quelqu'un qui peut me dépanner, quoi. Si c'est pas Ouais, qu'il commence à je faire peux vous froid, mais... emmener à la boutique, ouais. Ouais? Ouais, ce serait Ouais, très bah de toute sympa, façon, c'est monsieur. juste à Y a côté, mais une je juste peux... là. Ah ouais, Juste à là-bas? côté, Ok, ouais. bah moi je connais pas encore très bien la ville. Je suis juste allé à la plage pour profiter un peu et voilà quoi. Voilà mon histoire. Ok, je vois, je vois. Je Bah vous écoutez, fais. Ok. je vous laisse, hein. Ok, merci beaucoup. Bien le bonsoir! Bonsoir, bonsoir. 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 On peut y aller? Excusez-moi, j'ai un petit renseignement à vous demander, mes petits jeunes. Ouais. Vas-y, je vous écoute. Je recherche la boutique centrale, parce que ça fait une plombe que je cherche un putain de GPS. Et je suis complètement paumé Vous dans cette savez ville. quoi, je vais... Moi, je peux vous en vendre un, hein. Merci. Ouais, attends, viens voir, monsieur à lunettes, deux spies. Appelle-moi papy, s'il te plaît. Non, non, papy, toi, reste là, justement, parce qu'en fait, je dois parler au monsieur à lunettes, et après, je viens, je te vends un À GPS moi. au calme. Vas-y, Tu vas attends prendre deux la main, secondes, ok, ça en va. fait, j'ai... Moi, je suis producteur de GPS, en fait. Viens voir rapidement, s'il te plaît. Ouais. Ouais, Il va, t'as un il s'est, en fait, il s'est fait voler ses Ouais, vêtements, d'accord. T'as un GPS en trop? Ah non, j'ai pas de GPS en trop là. Ah merde. Mais Bonjour. t'as... au pire, regarde, moi je te Bonsoir. propose un truc. Ouais, tes Ça veut procès dire du qu'on coup, prend mais ton tes cons, GPS de ta voiture, ils sont on lui pas vend plus cher, t'en rachètes un, et on fait moite-moite avec l'argent. Non, c'est pas Comme ça, je peux m'acheter des Ah, habits. Et au final, ça te coûte rien, le toi. mien, il est spécial, tu vois. Ah ouais? Mais n'importe quoi. Mais vas-y, je te donnerai de Demande, l'argent, pas de soucis. Ah ok, demande bah si c'est... à Ok. Je te donnerai un petit truc. Ok, Enverra, bah monsieur. vas-y. Quand c'est sympa Oh aussi, hein. putain. Je cherche une boutique centrale pour moi, c'est un GPS. Eh bien, regardez. Wesh, c'est le Dawa ici, wesh, c'est quoi Pourquoi ça? ils sont nus? Oh là. Un t-shirt de ces Calderon quand même. Ah, mais il fait chaud. Ah, j'ai kiffé chaud, moi aussi j'ai chaud. Attendez, mais... y a plein de trucs dans Me mon monsieur à lunettes, on peut y aller ou pas? Parce que voilà, j'ai froid. Voilà, au Ouais. moins des débardeurs. Ouais, Ok, ouais, ouais. merci, merci beaucoup. Et pour mon GPS! Le GPS, en fait, bah j'en ai un, mais il est en panne. Du coup, je vais pas vous le vendre alors qu'il est en panne. Oui. Monsieur aux lunettes, venez là. Vas-y, on y va, on y va. Appelez-moi papy, hein. Ah, putain. Putain, c'est démon. Ah non, comment on lève la radio? J'ai oublié ça. Ah, je m'en souviens. Gary, comment on rentre lui? Ah ouais, mais lui, je sais pas, il veut faire quoi avec un GPS? Et ça, attends! D'ailleurs, tu m'as dit que t'avais un GPS spécial, ça veut dire quoi ça? C'est un cadeau en fait. Il est trafiqué. Ah, parce que c'est un cadeau, pas, il est trafiqué? Il a pas blagué le Et fou. ouais, il C'est est, y là a ce qu'il Tom fait. Tom et tout dessus. Hein. Puis il est Coyote trafiqué aussi, comment? Ça Waze. veut dire que tu. C'est quoi le truc en fait? Qu'il y Par a rapport Waze à. dessus. C'est quoi Waze? Moi je connais pas trop tout ce qui est application et tout. En fait, c'est une application qui te sert à cramer les radars. Ah ouais, donc toi tu. Ok. Donc toi tu sais tout le temps quand il y a un radar, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah ouais. Ok, bah vas-y, je vais aller à la boutique. Tu peux me donner un peu d'argent, s'il te plaît? D'ailleurs, je t'ai jamais demandé ton prénom, je sais pas comment tu t'appelles. Ouais, moi c'est Daniel. Ok, Danny. Moi c'est Tony. Nos deux prénoms ils finissent par Ni. Enchanté. Bon, merci, wesh, 400 balles! Ah, t'es un Tout ouf, plaisir. toi! Merci, merci, voilà. Vas-y, je vais me refaire une beauté et bah, si tu veux partir, tu pars. Si tu veux rester, bah, on se recapte après comme tu veux. Juste, je vais m'acheter des habits. Ouais, bah, de toute façon, moi je dois aller faire un truc au commissariat donc. Ok. Le retour de Tony, c'est ça, hein. Aucune. Attends, c'est où la boutique? Ah, parce qu'il me faut un GPS aussi. Ah, je crois que c'est là. Ouais, c'est là, c'est là.
Alors. Incroyable les tenues, wesh. Oula, monsieur, un peu de pudeur. Venez nu, vous? Hein, hein? Quoi? Ouais, bah en fait. Bonsoir. Bonsoir. Je veux les garçons. Ah, t'as vu, il a du flow, hein. Ça va ou quoi, les beaux gosses? Ça va, ah, il calme. Est surtout fluo, hein. Ouais. Après, quand t'as un gros zizi, c'est lourd de porter ça, genre. Les meufs, elles kiffent. Ah, je vois, je vois. Ah, cousin, tu tiennes des poils sur le torse, elles aiment pas trop ça, quoi. Vite fait, hein, c'est sur le bas des abdos et tout. Si, ça c'est ah, les abdos, j'ai les vois pas trop, les abdos. Ah, c'est ouais. Normal, voilà, je suis pas en sèche, là, ça fait... C'est deux mois, si je dois commencer. Si tu veux, cousin, on ira faire du sport tous les deux, une C4. Vas-y, c'est vas-y. C'est une teinture hein. Permanente, ça. Ouais, ouais, bah, je suis né comme ça, moi. Ah. Pourquoi y'a un problème? Je m'excuse. Là. Non. Je suis désolé. Okay. Ah, je suis né avec les cheveux violets, c'est un pigment très très rare. Ah, je vois ça, je vois ça. Ouais. Attends. Les gars, moi je suis dans la merde, voilà. Voilà, on est tous dans la merde, cousin. On est non, tous mais moi je suis vraiment, je suis dans la grosse merde. Toi, t'es peut-être dans la merde, moi je suis dans une giga merde. Je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé là, ma situation. Moi je suis venu ici pour, tu vois, louer des vêtements parce que j'ai pas l'argent pour en acheter. Alors en fait, j'étais à la plage, ah, tu ouais. vois. J'étais à la plage, comme tu peux le voir, petit short de plage. Ouais, dis-moi. Je tapais mes meilleures longueurs ah, dans ah, la mer. Ah, il a pas blagué le seul. Merci, démon. Et là, paf, qu'est-ce que ouais. je vois? Un clochard qui vient voler ma serviette. Dans ma serviette, il y a mon portefeuille et mes habits. Du coup je ressors, pas de serviette, juste en short. J'ai dû sécher dans le truc. Et là j'ai pas d'habits, frère. Il va bientôt faire nuit. Je suis dans la merde, voilà. Montre-moi un peu ce que t'aimes comme vêtement. Essaye de porter ça et je vois si je peux te le passer. Vas-y. Vois si je peux t'acheter ça. Tiens, ça va être plus simple. Je vais te passer. Ah, vas-y les cousins, moi me casse. Salutation. Vas-y mec. Facile de faire d'argent, voilà. À chaque fois, je vois un mec, je vais lui raconter mon histoire. Alors, tu vois, j'étais à la plage là. Attends, tu veux quoi du coup? Tu veux que je te montre des tenues qui m'a. Ah, oh, là là. Oh, t'es un bon, voilà, t'es un bon. Si, merde, frérot, je vais pouvoir me saper. T'inquiète, hein, je te rembourserai ça dès que je récupère un petit truc, rien, un taf rien. Et tout. Je t'inquiète. C'est rien, t'en fais pas. Ok, merci. C'est quoi ton nom, toi déjà? Devon. Davon, ok, lourd. Devon. Ouais, mais Davon, ça a du flow, tu vois. Si je dis Davon, c'est nul. Tu préfères Davon ou ouais. Davon? Non, Davon. Bah ouais, Davon. Pourquoi tu me parles avec une voix comme ça, wesh? Ah, je te parle normalement. Ok. Tu vas faire un peu pitié, toi, là. Ouais, tranquille, frère, j'ai pas d'argent, j'ai pas avec ton caleçon fluo. Frère, il a du flow quand même, le caleçon. Hop là. Petite tenue. Tu viens d'arriver en ville ou quoi? Ouais, je viens d'arriver là. Je viens d'arriver là. Je suis parti à la plage. En fait, en atterrissant, j'ai vu la plage avec l'avion. Je me suis dit, je vais aller à la plage. Et là, du coup, il m'est arrivé ma galère. Il m'a volé mes sapes. Bouge, je te passe 200$. Au moins, tu peux prendre un taxi. Tu peux pas m'acheter une voiture plutôt comme ça, au moins c'est plus simple. Ah, bien sûr. T'as vu le quad là-bas? Va le prendre, hein. Jure, c'est à toi. Le quad. T'as fait tomber ton billet là. Attends, je vais le ramasser. Non, je t'ai passé, prends-le. Ok. Ah, merci. Je vais prendre un petit taxi. Repars à la plage, va trouver tes vêtements. C'est trop ouais, je vais le trouver, le clochard sous le pont là, je vais le trouver, voilà. Ah mais du coup, attendez les gars. À RP parlant, je peux pas savoir que c'est de l'argent sale en soi. Fais-toi une petite teinture aussi, profite-en. Non merde, putain!
J'ai acheté une tenue que je voulais pas, frère. Putain, j'ai... Ouais, je peux pas savoir, c'est ça, je peux pas savoir. Alors, mode manuel. Parce qu'avant, c'était... Avant, c'était... Comment dire? C'était spécial. Ah, faut que je mette un sous-haut, c'est ça? Bah, nique sa mère, les gars, je vous cache pas que je vais prendre une tenue, c'est tout. Tenue et costume. Ah, putain, putain! Ah, je suis débile, frère, j'ai niqué 400 balles. Je les ai eu gratuitement, du coup, au calme. Hein. Ah. Et en plus, sérieux. J'ai niqué 400 balles comme ça. Bon, en vrai, je vais juste mettre ça là. Je vais acheter ça, je pense. Allez, je te laisse. Balles. Tu y vas? Oublie pas d'aller faire un petit tour chez le coiffeur. Vas-y, t'as... Ok, bah je vais aller chez le coiffeur. Tenue. Comment un taxi, t'as encore ton téléphone ou pas? Ouais. On t'a volé ton téléphone ou pas? Non, non, le téléphone, il était dans le sable. Merci, hein. C'est... Merde. Attends. T'as le numéro des taxis? Ouais, attends, je t'en commande. Si, merde. T'es un bon. Bah dis-toi que j'en étais un il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Je serais bien venu te chercher mais bon. On m'a licencié. Jure, t'as fait quoi? Pourquoi t'as été licencié? Ah c'est un travail de merde, j'ai arrêté de bosser. Attends mais... Ah ok, ça veut dire que c'est toi, ok. On te prend 65% de ton salaire. Non, j'ai arrêté de bosser, bah du coup on m'a licencié. Mais... Ouais logique, il faut faire de la place. Et ils recrutent là ou pas? Parce que moi je suis un charbonneur moi. Ah ça recrute. Bah on va y jeter un petit coup d'œil. T'as un contact pour moi? D'abord, on va passer ton permis. Ah ouais c'est vrai que dans cet état il faut repasser le permis, c'est vrai. Ok. Bah... Attends. Bah tu sais quoi, va l'emmener passer son permis. Ouais. Puis emmène-le au Burger Shot qui prenne un petit GPS. Ouais, je l'emmène au Burger Shot avant. Ah, c'est un taxi moto lui? Ah, c'est. Ouais, tout à fait. C'est Los Santos. Merci, ouais, chauffeur. Merci beaucoup, Devon. Voilà. Fais slash money. Quoi? Pourquoi je fais slash money? Ah non, j'ai pas, ok. Propre 1975, sale 0. Ok. Ça va? Ça va bien, vous? Au calme, hein. T'es sûr de toi, là, dans ta conduite, hein? Vous êtes pas habitué à la moto? Non, c'est pas ça. C'est que, bon, là, moi, je te connais pas. Je vois, tu roules à 6000 à l'heure. On est en moto, tu sais très bien ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Habitué. Ok, ça va. Là. Allez-y, je vous laisse aller voir le vendeur à l'intérieur. Ok, merci beaucoup. On n'a pas besoin. De toute façon, vous avez un peu de bave au coin des lèvres. Ce serait peut-être la rage. Bonjour. 5 lettres de soja. Oh là, c'est une. Alors, donc, 5 jus de carotte. 5 lettres soja à la banane. C'est qui la grosse? Vous avez un problème? Bon, c'est le rendez-vous des cognos à qui ou Oh, tu m'as seul pas les cognos. T'es un style de cognos s'il veut. Je travaille à qui dans toute la ferme. Si je suis énervé, s'il n'y a pas envie que tu restes à qui, je te sors et t'as pas ton GPS. T'as de la chance que je frappe pas les faibles, hein. Excuse-moi. Ouais, papy, wesh. Un peu de tenue, frère. Ok, je vous écoute, seigneur de con. Bonjour, en fait, je voudrais acheter un GPS. Un GPS, ok, d'accord. Je vais réussir à finir la commande de la chica avant, quand même. Oui, c'est qui, la chica? C'est la chica, la signora, la fille devant vous. Ah, la fille, ok. Une femme, tout ce qui est sexe féminin, tu vois.
Non, pas la femelle, la femelle, t'as cru. Bref, je tape pas les faibles. Bref, on est où? Je vais prendre la commande et on va régler ça après. C'est intéressant. Ah, intéressant le GPS? Oui, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 5 jus de carottes. Ça me fume, voilà. Je disais quoi? Oui, 5 lait de soja à la banane. Ouais. Vous avez quoi au niveau de poisson? On a du saumon. Ouais, tu vas arrêter de. Hein? Ah, mais j'ai une dure journée. J'ai une dure journée, désolé. Ah, moi aussi j'ai une dure journée. Hein. Ça te fait un point commun. Je disais quoi? Oui, 5. Ouais, bah non, garde tes points communs pour toi, hein, ok? Alors, 5 saumons. Yo. Ouais, 5 saumons. Et alors, si vous savez me mettre, c'était vous hein, tout à l'heure. Si vous savez me mettre 5. Ouais, 5 donuts chocolat à la fraise. Chocolat à la fraise. Ok. Oh, ouais. Merci, vous faites ça. Merci, hein. Vous êtes enceinte, madame? Ça fait beaucoup de monture, quand même. Bah quoi, je fais du stock, moi. Et je fais du sport. Ah, j'ai rien dit, hein, y a pas de problème. Juste, ça fait beaucoup de nourriture pour une personne comme vous. Si vous avez besoin de quelqu'un pour finir, moi, je suis là. Hein. Vous êtes coach sportif, madame? Non, je suis pas coach sportif. J'aime beaucoup le sport, faire du vélo, de la natation. Vous êtes vraiment des gros bandits, là. Parce qu'il y a un non-négro qui a besoin de faire du sport au quartier. Un quoi? Ah. Bah. C'est quoi déjà? Hein? Un quoi? T'as dit quoi? Il y a un de nos négros qui a besoin de faire du sport au quartier. Ah! Bah. Pardon? En soi, ce que vous pouvez faire. Je te dis que tu es un gros bandeur. Vous mettez la chose qu'il adore derrière une voiture et vous le faites courir un petit peu. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. J'attache des hamburgers à une voiture et je le fais courir après les hamburgers. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah les gars, voilà, c'est chaud frère. Tu comprends pas ce que je te dis? T'as dit quoi? J'ai pas entendu en fait, parce que l'autre chienne elle fait que de parler, j'entends rien du tout. Je répète. Il disait, tu mets un gros bandeur. Mais non, toi t'as pas compris que je me foutais de sa gueule. Elle est moche, wesh. Un gros bandeur quand même, tu peux la voir. Si elle est moche, c'est vrai. Elle est moche, wesh. Ouais, t'intéresses toi la meuf, moi je la laisse. Hein. Non, non, bravo. T'as pas vu, elle a commandé 50 chaussons à la crème, du Nutella, 50 000 trucs, frère. Wesh. Moi, je pense elle est enceinte. Dis-moi, tu cherches pas un petit Je veux mort. Oh, Dave! Hey! Tu m'as dit quoi, toi? Je cherche pas quoi? Un peu à fumer. Non, non, voilà, non, pourquoi? J'ai une tête de fumeur, moi. J'ai une tête à fumer, c'est ça que tu es en train de me dire, là? T'es en train de dire que je suis un client, moi, je suis un Yankee. Si t'es un Yankee, si. Moi? T'es sûr, hein? Si, gros, t'es. Attends, je t'appelle comment, toi? Fumeur, mais y'a pas de nom, moi. Ah, pas de nom, hein. Super, c'est pour Zéro, si tu veux. Ok, Zéro. Ah, putain. Vous me faites bien rire, vous, hein. Tu vends de la beuh, tu te prends pour un caïd, hein. T'es un ouf, toi. C'est vraiment pas peur, toi. Non, voilà que non. Bon, moi je dois acheter un GPS, frérot. Sur le parking du Burger Shot, hein, sinon il t'aurait descendu directement. Ah, ok. Ben là je dois acheter un GPS, donc laisse-moi acheter un GPS et après fais ce que tu veux, frère. Ok, tranquille, on verra ça. Ah, le pauvre, il vient d'arriver en ville, laisse-le. C'est pas ouf, on lui a volé ses amis. C'est le bon. Faut pas trop faire le malin. Yusarius et Zom avec les GPS en premier. Ça ouais, voilà, monsieur, ça fait une heure, j'attends. Voilà, elle veut pas s'arrêter de parler aussi. Viens, je te montre. Je te montre. Ah bah... Vous avez de la chance que je tape pas les feuilles. Oui, j'ai de la chance, je sais. Merde. Là, c'est une bande de commande. Ok. Voilà la facture. Ah ouais, c'est lourd, ok. Allez-y. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je t'ai dit, je m'appelle Tony. Perfecto. Enfin, j'ai pas dit à toi, mais je m'appelle Tony. Alors, il me faudrait okay. Tu peux m'appeler Tony. Ah, tu viens d'où? Oh, mais oui, mais... T'as dit quoi? Tu viens d'où? Bah là, j'étais en Arizona, là. Mais je suis déjà venu à Los Santos. Après, je suis parti, et là, je suis revenu. Mais j'étais en Arizona, je voulais prendre l'air. Retour. Ouais, ouais. Après, j'étais pas resté longtemps, hein, vite fait. Je suis bien Bruno. J'ai habité chez un cousin. Pourquoi il est venu? Il est venu te voir, là, je Bah, je sais pas, vas-y, viens dehors. Putain, faut que je mette F6 ou très basse.
Voilà, je sais pas, vite les gangs, vite les gangs. Il me veut quoi? Voilà, moi je viens d'arriver en ville. Je viens d'arriver en ville, t'es un sac en merde, toi. Non, voilà, non, voilà, non, voilà. Tu te fais braquer. Moi je me suis pas fait. GPS, senior, ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai mon GPS, merci beaucoup. J'ai acheté via la commande. Merci beaucoup, hein. Ouais, donc vous êtes fait encouler au niveau du prix, vraiment. Pourquoi tu me l'aurais vendu combien, toi? Tu l'as payé combien, vas-y, dis-moi. Non, frère, toi, dis-moi, tu me l'aurais vendu combien? 250. Ça dépend. Ça dépend. Il faut vérifier à la borne, hein, s'il faut, on dit juste que je m'en souviens plus. Là, j'ai payé 200 et quelques, ouais. Ah, c'est cher, frère. Ah, c'est cher. Frère, aussi, toi aussi, frère. T'as demandé, fallait la passer, la faire passer en dernière, la meuf, là. Ouais, je veux 5 choux à la crème. 5 carottes à la mayonnaise, 5 trucs, si. Ouais, c'est bon, laisse les gens acheter. C'est efficace, c'est normal. Ouais, frère, c'est bon. Entretient la clientèle. Ah, t'as perdu un client, tranquille, la prochaine fois je reviendrai. Bah, pour une EPS, je vais m'en remettre, hein, t'en fais pas. Ah, ok. Rapidos, on se balaye. Si t'as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Ok, merci beaucoup. Vas-y. C'est trop lourd les serveurs avec plein de gens, wesh. Ah, tu dois aller passer ton permis, toi. Ouais, bah là je suis venu ici, mais le chauffeur de moto, je l'ai plus vu. T'as un dash de chaîne? J'ai rien du tout, frère. Je suis pas en dash, je suis SDF là. Bref, je te disais là, le mec là, tu le connais ou pas? Ah, vaguement. C'est un vagos. C'est quoi, c'est un vagos? C'est un gang, c'est un membre d'un gang. Ah, parce que je sais pas, moi il est venu, il m'a dit ouais, tu veux de l'herbe et tout. Moi je lui ai dit ouais, tu m'as pris pour un Yankee ou quoi, j'ai pas besoin de toi. Et après, il a commencé à m'en parler. Non. Faut éviter de parler comme ça. Surtout un vagos. Ok, voilà. Ah, ils sont. Mais comment tu sais que c'est un vagos, lui? C'est parce qu'il a un t-shirt jaune. Je vais pas te mentir, là. La plupart des personnes qui ont des t-shirts jaunes, c'est des vagos. Faut éviter les couleurs comme ça. Sinon, t'apparentes à un gang. Et lui, il est en bandana, là. Non, tout à l'heure, il était pas en bandana. Non, là, il l'a mis. Ouais, il était pas en bandana. Je t'ai pris une tenue Conforama, un truc du genre. Tenue Conforama? Alors moi j'ai ça. Pour aller bosser. Ah non, j'ai rien pris encore. J'ai juste pris cette petite tenue chill. Ah ouais. Attends, je fouille. Je fouille dans mon code. Lui il va essayer de me recruter en tant que... Par contre, je vais pas te mentir. C'est bien bouffe pour les 20 mois. T'es vraiment un sac en merde, toi. J'ai rien fait. Pourquoi, frère? T'as des cheveux mauves. Ouais. On te vole à la plage. Y'a un vagos qui vient te voir et qui veut ta tête. Ça va pas le faire. Oh, comme qui veut ma tête, c'est bon, il m'a déjà oublié, voilà. Oh, la merde, je sais quoi ça. Après, moi, je me laisse pas faire, frère. Il vient, il me parle mal et tout. Je réponds, c'est tout. Je comprends, je te comprends. Tu es plus trop aussi, c'est bon, frère. Vagos, pas vagos. Ouais, je vois. C'est Halloween là? Ouais, ça va. Il est passé où le chauffeur? Je sais pas, voilà. Peut-être à l'intérieur, je vais voir, j'arrive. Ah, va voir avec lui, faut passer le permis. Il était où? Hop là, vous êtes toujours banane. Enfin, je veux pas faire l'apologie de l'alcool et de l'eau, mais. Quand il est là, mon chauffeur? Faut donner de l'eau quoi. Pardon? Ouais, c'est moi. Ouais, on peut y aller, on peut y aller. Bah j'attends juste d'être servi aussi, hein, parce qu'on va pas aller loin sinon. Ah ok, bah vas-y, allez-y, y'a pas de problème. Oublie pas. Viens au burger shot, senior. Monsieur, vous avez pas oublié, vous me payez. Non, j'ai pas oublié. Ah ouais, lourd. Moi aussi, vous m'avez pas oublié, hein. Ah monsieur. Pardon? Non, vous avez pas oublié votre commande? C'est bon. Ah, c'est bon, ok, il est là. Non, bah j'attends. J'ai passé un truc en mode. Attendez, le monsieur pourra savoir après. Qui était juste à droite, qui était en premier. Dans pas longtemps, vous aurez. Ouais, bah je vais prendre sa commande aussi. Mais si pareil, il me paye. Ok. On va prendre un GPS. Un GPS, ok. On va prendre 30 jus de soja. Putain, c'est trop lourd, voilà, que c'est trop lourd. Il y a trop de monde, wesh. Voilà. Et on va prendre 20 huîtres. Restez convenable, monsieur. Et quoi, avec la dent. Il y a trop de monde, c'est trop lourd.
partir, ma jolie. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, restez contactif. Vous croyez que c'est une manière de parler aux femmes comme ça? S'il vous plaît, merci. Pas la bonne technique pour parler aux femmes, seulement. En tout cas, je vous remercie, je me vais vachement beaucoup mieux. Mais je vous connais pas. Ouais, papy, il va dormir là, il est tard là. Oh, papy! Ouais, ça va. Moi, c'est pas docteur, c'est directeur. Vous avez pris votre GPS, vous, monsieur? Ouais, ouais, moi, j'attends, je vous attends juste, là, en fait. Ouais, alors, on va faire des stocks, là, pour et le monsieur âgé aussi? Ouais, ouais, mais papy, s'il te plaît. Oh. Ouais, papy, papy, tu m'entends ou pas, wesh? Pardon, pardon. Ouais, papy représente ici, ouais, ouais. Oh, papy, je te parle, frérot. Ouais. Ouais, tu peux me prêter de l'argent, papy, ou pas? T'as l'air d'être bien, toi, dans ta vie. Ah, ouais, je connais pas, là. Mais t'es un comique, toi. Tu vas bientôt mourir, dans tous les cas, donc autant que quelqu'un le récupère. Moi, je suis quelqu'un de bien. Fais attention, parce que les accidents, ça arrive très vite. Hein. Ah, mais si, je sais pas. Alors, j'ai une grande facture des... Non, jamais, moi. J'ai déjà cramé pour tout le monde. 769 dollars. Je sais pas, peut-être à l'occasion. Combien, combien, 700? 769 dollars. Si. Merci. Perfecto. Alors, je vous mets tout dans le vous sac. Vous pouvez donner ou le dans GPS une coachée, au monsieur importe, hein. Vous me dites si moi, vous voulez que je demain, je meurs. Hein. Bah, juste le GPS au monsieur et après le l'homme le plus détestable du serveur. Alors, votre GPS, du coup. Alors, il y a tout, hein, le dernier cri pour mettre les points. Ah, j'espère qu'on va y arriver avant, avant demain. Hein. Français, espagnol, portugais, italien, arabe. Chinois, etc. Ah, c'est tellement long, frère. Ouais, je suis accélère. Merci, ça fait plaisir. Comment nous tout perdre? Comment nous tout perdre? Si, si, le sep. Rapide. Je vais racheter ML pour les 10 mois. Je pourrais avoir 10 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Je crois que j'ai 10 bouteilles d'eau. Vas-y, va voir si. On va voir si ça termine ou pas. Super gros fat. Oh, qui veut de la drogue ici maintenant? Je parle pas chinois. Qui veut de la drogue? Je vais aller voir le magasin, la gare. Ouais, c'est, bah allez voir ailleurs, tant pis. Ils s'en battent les couilles, hein. Putain, ça pue le mauve. Mais, faire... mais par contre, il est là quoi à sauter tout le monde, lui. Dieu, il se passe quoi? Ça va trop vite là pour moi. Je suis, il est plus là, mon pote Davon. On peut y aller là ou tu t'attends une commande encore? Bah, j'attends qu'il me livre la commande là. Voilà, c'est il est trop long ce vendeur, frère. Alors, il s'appelle Rapido. Monsieur le vendeur. Par le coup, etc. Si, attendez, ouais. 30 secondes. Okay. Insultez des gens que vous connaissez pas, etc. Des quoi? Vous ne voulez pas faire... des gens, peu importe. Donc, c'est chinois, ça, des gens. Tu vas des gens. Eh, il n'y a pas envie de t'en mettre une, Apolito, là. Eh, madame, vous pouvez me déposer quelque part ou pas? D'accord, je m'excuse. Ah, je demande, voilà. Respect, vous le gardez aussi. Je peux te payer, hein, si tu veux. Vous revenez dans le dictionnaire le mot respect et vous revenez. D'accord, d'accord. T'inquiète pas, il y a plus tard. Perfecto. Bisous, bisous. Bon, monsieur, il a dit vous appelez rapido, mais vous êtes pas très rapide parce que voilà, ça fait une heure, j'attends. Ouais, ouais, ouais. Allez, les gosses, la blague. Attendez, vous voulez quoi? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de GPS. Mais non, mais c'est parce que le monsieur là avec la moto, il doit m'emmener quelque part. Ça fait une heure et demie, il est dans le magasin. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est pas méchant, mais c'est que moi après ça va fermer et tout, je pourrais pas. Si, je vous mets ça là quelque part. Le verre. Ah, ouais, merci, merci. Non, le verre, allez-y. Alors, les Tsuja. Putain, merde. Et les huîtres. Ouais, t'as bientôt fini, t'inquiète. Si tu veux de l'huître. Moi, je me fais braquer, c'est chiant. Je vais en prendre sur moi. Ouais. Allez-y, allez-y. Ouais, t'inquiète. Non, c'est bon, bah. Ah, non, prochain. Allez-y, non, mais dans le véhicule. Sur moi, il y aura pas assez de place, je pense. Eh bah, si. Regarde dans le sac à la gauche. Merci. Super. Bah, merci. Eh bah, de rien. Pas beaucoup de prêts, il y avait plus de merci beaucoup. De nada. Au revoir. Bon courage. Merci. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti. Eh ben. Lui, il est taxi, lui. Voilà, je paye pas, frère. Hein. S'il me dit paye à la fin, je suis un bâtard, je paye, frère. Bon. Ouais, bah, c'est faut accélérer maintenant. On va bien au. Ouais, ouais. Comment ça s'appelle? Permis. Permis de voiture, ouais.
L'auto-école, oui. Ouais. Je pars du LTD. Hein. Les frères Pistal. T'as perdu quoi? Merci. Hein? Tu peux venir. J'espère que tu veux, je sais pas. Je parle à la radio, monsieur. Est-ce que tu peux les calmer? Ok, tu parles à la radio. Tu peux aller au Burger Shot, je vais aller refaire une autre commande. Oh, je suis un bâtard, je paye en tout cas. Et merde, ah, oh putain, ça là je vais prendre cher. C'est merde, Tom Tiggle. Pour les 14 mois. Pose tes sous. Non, mon but c'est de jamais rien payer sur serveur. Enfin, de jamais utiliser mon propre argent. Je me suis fait flasher par le radar, je vais perdre le permis là donc. Si on peut se voir. Au Burger Shot. Bah tu vas pouvoir le repasser avec moi. Allez-y, monsieur. Merci. Pas de problème, à bientôt. Ah ok, lourd, voilà. Je suis heureux, voilà, je croyais que j'allais payer, frère. Ah, bonjour, moniteur. Quel genre de moniteur, frère? C'est le meilleur motoïste de l'histoire, frère. Le permis, il l'a depuis 10 ans. Regardez, regardez le dérapage. Alèche. Papa, il a pas blagué le sub. Ah, je crois que je suis allé trop vite. C'est Merkonan-sama. Ah, les bâtards, voilà. Je sais pas où je dois aller en fait. Pour l'instant, je respecte toutes les règles du code de la route. Tout se passe bien. 1 minute 10, 1 minute 9. J'aurai pas le temps de finir, impossible. Faut que j'accélère, faut que je reste à 90 km/h en moyenne. Le problème, c'est que je regarde mon kilométrage. Et pas mon. Et pas la route quoi.
C'est impossible, ouais, il reste 45 secondes. Ça va se jouer au compte. C'est pétasse. C'est un Murtag. Roule. Il y avait les keufs, wesh. Il y avait la police. On va partir en course-poursuite là. On a pas le temps, voilà. Je suis foutu la team. On n'a pas le temps. En vrai, on a grave le temps. I'm done. Oh, je suis foutu. Si le sub, si Mère Christo. Je suis un homme mort. Les Govas, ils vont tuer. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Wesh, j'ai eu peur, voilà. Jure un nouveau sub. M'en fous. C'est pas là? Oh, je suis anéanti. Non. Is a piece of dog shit. Arr. Glories of the jazz age. Ah merde, putain de merde, voilà. Ah shit, here we go again. Ah la vie de ma mère, j'aime trop ma vie, sérieux. Wesh. Ça fait une heure que je suis là, wesh. Je suis assez honteux. Accélère, nique sa mère, voilà, nique sa mère. Passe la cinquième, on va aller jusqu'à 120. You're on the lowdown and I'm giving you the lowdown. And the lowdown is this. Here in Los Santos, there's all kinds of people. Good people, bad people, real people, fake people, people in the group. On va fermer sa gueule, la grenade.
Vous avez obtenu, vous avez payé 200 pour... Vous pouvez récupérer votre permis au commissariat. Putain, voilà. Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point, c'est ça, voilà. On est loin du péché. Ah, je vais y aller à Yep. Hein. Ah, je suis un clochard. Merde. Moi, j'ai pas. Y a pas de contact de base, du coup, j'ai pas de. Tu sais. Je crois que le comico, il est pas. Il est. Ah, si, il est loin quand même. Voler une voiture. J'ai le numéro de personne, je vais devoir y aller à pied. C'est quoi la touche pour la map? Inventaire GPS peut-être. Un Y information. Est-ce que tu connais Kameto? Cimer Auguste the Great pour le Supreme. Mais vole une caisse doucement, wesh. Je vais pas aller dans un comico avec une caisse volée pour récupérer mon permis, ouais. Je suis pas dedans, j'ai, tu vois, genre j'ai un RP un peu fou, mais pas à ce point-là. Ouais. Voilà que je vais pas faire ça, ouais. On m'a pas donné le numéro du taxi, tu la jettes avant. Ouais, bah attendez, frère, je viens de revenir dans la ville. Je dois me faire discret là, j'ai pas envie de prendre perpète. En fait mon perso il est pas, tu vois. Genre il a arrêté ses conneries mais à tout moment s'il y a un deal qui peut rapporter gros, il peut retomber dedans. Genre mais c'est pas, tu vois, on va pas foutre la merde comme ça. Ah ça va être long. Tu fais bien Kamel, ouais je sais. C'est ça le problème avec GTRP, c'est que... Eh, niquez vos mères, c'est simple. C'est comme ça, frère, c'est ça le RP, c'est pas la facilité, genre. Tu te fais discret, t'as déjà démarré un gang. Non, j'ai juste fait une vanne à un mec qui l'a mal prise, c'est tout. Hey, mom. Voilà, frère. C'est meilleur Victoub pour les 5 mois. En mode. Ouais, c'est ça, wesh. Si tu prends une voiture juste comme ça pour aller plus vite. Alors que tu peux y aller à pied et pas prendre de risques, c'est que tu vois, c'est pas mon perso, il est pas con, genre. C'est meilleur Mélan Race pour le Seb. Il a pris sa retraite là, Alexander Hakim. Voilà. Est-ce que tu connais Kameto? C'est meilleur fantastique, monsieur Renard, force et honneur. C'est pas le chat, 60%, 70% de bullshit. Ouais, je sais. RP, t'as pas l'endurance. Voilà, j'ai l'endurance, frère. Que du cardio, il a fait. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais pas mon background, mec. Voilà, c'est mon rêve que quelqu'un me dépose là. Fous tout ton argent en banque, non? Bon, on verra. Faut quand même montrer c'est qui le boss, l'ancien. Ouais, bah justement, c'est en y allant à pied que tu montres c'est qui le boss, frère. Ce serait un truc de bouffon, hein. Genre, c'est vraiment pas RP. Enfin, c'est RP, tu vois, si t'as vraiment RP de fou, mais. C'est sans battre les couilles, quoi. Loin encore, ça va, on est plus très loin. Voilà, c'était une petite trotte. C'était une petite trotte. C'est Mera Tirator, Tahia Jazel, merci frérot pour les 3 mois. Merci Saou pour les 3 mois. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué le game. Kamel à Bibi pour percer dans le streaming. Voilà. C'est Mera Yaz DJZ, juste me balance pas. Au pire, appelle la police et demande un numéro de taxi. Voilà, tranquille. Petit footing. Petit footing, attendez. On est bientôt là. Je reconnais, on y est bientôt. Yeah. Si tu recroises une ancienne connaissance, tu vas la reparler comme si tu la connaissais déjà ou tu l'as rencontrée, ça dépend. Je pense que je vais lui parler comme si je la connaissais déjà. Hein. C'est le plus logique. Cimer Goudax. Tellement hâte que tu commences les cambriolages. On va voir, attendez, wesh. C'est le début, hein. Je vais pas jouer jusqu'à très très tard ce soir. Hein. Rust, c'est fini ou pas du coup? Non, on va finir la saison et après ça sera fini. Pardon. Et on refera une saison plus tard. Ou genre on joue pas autant de temps.
Moi on a je crois jusqu'au 6. Avant le wipe, faut que je contacte Nabil. Elle a peut-être pas le même perso avec Sandra que... Je sais pas, on verra. Voilà, on court hein. Le match de NBA a commencé. C'est pas à 3h? Pourquoi refaire une saison? Ils vont vous rect encore. Pas une saison qu'avec eux, wesh. Pour ça, toi, dans tout ce que tu vas trouver, Kamel, on sera derrière toi. Merci, mon poète. Là, ça va, là. Là, ça va, là, on a step up, là. Je vous avais dit qu'il y avait du lourd, hein. Là, c'est trop lourd, j'ai TRP parce que tu peux parler avec le chat. Non, c'est 2h, ok, ok. Je vous avais dit qu'on allait step up, hein. Je vous avais dit, c'est pour ça. Moi, j'étais bloqué tout le temps. Je vous disais, attendez, les gars, putain, attendez, ça arrive. Ça arrive, attendez, genre vraiment, c'est. On y est. Et là, on a vraiment step up de ouf et c'est pas fini encore. Faut pas se reposer sur ça. Là, mon prochain projet, je vais commencer à taffer à fond dessus. Là. Je vais commencer à m'y mettre à fond là. Je veux des joueurs. Tout en gardant le focus sur le stream, bien sûr. Mais je veux faire ma structure. Ça va prendre quelques mois, je pense. Avant de faire un truc grave propre. Bonjour monsieur l'agent. Je pue. Bonjour monsieur l'agent. Bonjour. Il va changer ta couleur de cheveux toi. C'est qui pourquoi? Moi? Moi. Va changer ta couleur de cheveux, ouais. Je vais procurer d'un soda. Hein? Je vais aller dans un quartier avec cette couleur de cheveux, tu vas te faire rafle, tu vas rien comprendre. Au revoir. Bizarre votre monsieur là. Bonsoir messieurs les agents. Bonsoir. Déjà est-ce que ça va bien? Pas très bien vous? Au calme. Moi ça va, alhamdoulilah. Comment tu chez moi? Alors en fait j'avais un petit souci, c'est que j'ai passé mon permis et on m'a dit de venir au commissariat pour récupérer mon permis. Du coup, je vais récupérer mon père. Ouais, c'est juste derrière mon collègue Baril. Vous prenez une carte d'identité à coût de 20$. Bonne soirée. Monsieur, je peux avoir un soda? Ah putain. Monsieur, on peut m'offrir un. Ok. Bonjour, monsieur. Si, le seb. Si. Au calme. C'est Merkizen. Personne pour m'acheter un soda. Putain, voilà. Obligé de tout faire tout seul dans cette chienne de vie. Ah, je sais pas, ça marche même pas ça, merde. Tu chuchotes. Non, je suis en voie normale là, regarde. Ouais, du coup, s'il y a crié, c'est que j'étais en voie normale. Yes. Prends une carte d'identité, j'en ai déjà une, non? La carte d'identité. J'en ai pas déjà une, inventée. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Putain, mais en plus, je voulais juste parler pour avoir le numéro des taxis, wesh. Bon, messieurs, bonsoir, bonjour, voilà. J'ai besoin d'aide. Bonsoir, monsieur, dites-moi. Bonsoir, c'est quoi le numéro des taxis, s'il vous plaît? Dans votre téléphone, vous l'avez directement dans votre dans vos contacts. Voilà que non. Pardon? Non, vous l'avez pas? Je vous jure que j'ai pas. C'est chauffeur. Le nom c'est chauffeur, c'est pas taxi, c'est chauffeur. Dans vos favoris, regardez. Parking 13. Contact, voilà, non frère, il mange. Ah. En fait, c'était inclus dans les favoris, ok. C'est inclus. Pas. Moi, je pensais que les favoris. Ah, ok, merci, monsieur l'agent. Bonne journée. Y'a pas de soucis, monsieur. Putain, là, je suis con, frère. Faut que je trouve du taf, là. Faut que je trouve du taf, au moins pour acheter une voiture. Est-ce que tu connais Kameto? Quoi? C'est Barakuma pour les 23 mois. Hey, Chauvering, bonsoir.
Salam alaikum. Bonsoir, je voudrais commander un taxi s'il vous plaît. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous honorer ça. Je suis parti en livraison et en fait, mon beeper déconne. C'est pour ça que vous allez voir les courses être prises. Essayez de voir si vous trouvez un Uber privé. Merci. Salam alaikum. Je suis désolé, hein, monsieur. Ah merde. Hein. Dommage. Ouais. Ouais, non, je suis parti direction BC là donc. Je suis pas prêt de revenir et je suis un camion en plus donc. Truc c'est que si vous faites des appels. Ouais, et si vous faites des appels, mon beeper va déconner. Vous allez me voir prendre les appels et en fait c'est pas possible. Si jamais vous voyez Bennett prendre des appels, oubliez. J'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Ah, très bien. J'ai chopé un Uber. Ok, merci beaucoup de toutes ces informations. Hein. Ouais. Allez, bonne soirée. Je suis désolé, les beepers déconnent à mort chez nous. Bah en fait, là, c'est un problème de beeper en fait. Ouais, en fait, si vous voulez, quand on est en livraison, pour acquitter les livraisons, ça nous valide aussi les appels automatiquement. Et on peut pas enlever notre service. Et en fait, on peut pas virer notre service, nous, à chaque fois, ça marche pas. Du coup, c'est hyper emmerdant parce que les clients ils attendent comme des cons et nous on peut pas parce qu'on est en camion et on part en direction du nord. Ah ok, donc en fait vous faites des livraisons mais en même temps chauffeur. Et là le problème c'est que votre beeper il marche plus, c'est ça? Ah c'est complètement ça, le beeper est complètement pété en fait. Même quand je suis pas en service, mon beeper fonctionne. Je le trouve lui. Et je fais du surf et j'ai des appels en permanence. Le beeper des chauffeurs est complètement pété en fait. Ah du coup à chaque fois qu'il y a un client qui vous appelle, en fait ça vous décroche sans que vous appuyez, c'est ça? C'est complètement ça. Du coup, là, je vous ai répondu, mais la plupart du temps, on raccroche automatiquement parce que c'est compliqué. Mais là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler depuis une demi-heure. Je sais pas si c'était vous. Donc... Ah non, c'est pas moi parce que moi, je viens d'appeler à l'instant. Du coup, là, en fait, la solution, c'est que je dois prendre un chauffeur privé parce que, en fait, votre beeper, il bug, c'est ça? C'est complètement ça. En fait, il faut que quand vous fassiez l'appel par SMS, il faut que la personne qui vous réponde y ait son nom. Et surtout, il y a marqué Uber en dessous. Ah, ok. Donc Uber parce que le beeper. Ou privé bug. Ou. Mais c'est quoi? C'est parce que le nôtre il est complètement pété. Comme ça, j'en achète jamais. Bah, c'est quand vous faites partie de la société des chauffeurings. Ok. Sinon, les privés, société, ça marche. La société des chauffeurings. C'est chauffeur livraison. Ouais. Et vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste votre travail? Bah, théoriquement, on prend des courses taxi et puis de temps en temps, on a des livraisons. C'est trop bien le téléphone. Hein, des livraisons de quoi par exemple? De plein de produits, ça, moi je regarde pas trop, c'est des cartons. Hein. Ok, bon, merci pour toutes ces informations, hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et du coup on part dans le Nord, direction PC, ouais, okay. Et puis on va livrer ça quoi. Direction le quoi? Le BC? BC c'est Blaine County. Hein, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, c'est l'autre comté, direction Blaine County, pourquoi? Ah, Blaine County, ok, ah c'est l'autre comté, très bien. Et du coup, vous allez dans l'autre comté pour chercher la marchandise et ensuite vous la livrez, c'est bien ça? C'est ça. Ah. Et il n'y a rien d'autre comme autre spécificité? Genre, vous devez pas mettre un costard ou des chaussures propres, des trucs comme ça pour travailler? Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas spécialement, pourquoi? Ok, c'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Non, mais pourquoi? Ça me paraît bizarre comme question. C'est juste pour savoir si vous devez être classe ou pas en tant que chauffeur, hein, c'est tout. Parce que moi j'ai qu'une paire de chaussures. Pas spécialement. Et si elle est sale, je pourrais jamais faire chauffeur quoi. Du coup, je me demandais si je devais acheter une nouvelle paire de chaussures pour en fait. ouais, d'accord. Ah, ok, merci beaucoup. Bon, au revoir. Hein. Attends-moi là. Bonne soirée. Ah, je suis mort, voilà. Ouais, mais elle m'a raconté toute sa vie. Voilà la vie de ma mère. Il m'a raconté toute sa vie, frère. À chaque fois que je le relançais, il était trop heureux de parler. Voilà, je lui ai fait plaisir. Je suis sûr, il est content, là. Eh, la vie de ma mère. À chaque fois, je lui posais une nouvelle question. Hein, en fait, vous faites ça, mais du coup, ça, c'est pour faire ça? Ouais, ok. Merci, mais... C'est complètement ça en fait, c'est notre beeper qui bug. Alors en fait, on a dans le BC, on a un beeper qui est. Dave. Tu vas en Porto toi? Frère, en fait, j'ai passé le permis et après, je devais aller au commissariat pour récupérer le permis. Du coup, je suis allé au commissariat. Il y avait un flic ou pas? Je voulais voir par rapport à une amende et je te trouve toi. Ils sont tous partis en courant parce que moi, je voulais gratter un jus d'orange et ils sont tous partis, voilà.
Tu veux garder un jus d'orange? Attends, attends, deux secondes. Normal, j'ai gâté, j'ai eu mon permis, je voulais fêter ça. Fêter ça avec des jus. Hein? Fêter ça avec des jus d'orange. Ah là, je peux pas me permettre du champagne, hein. Le jus d'orange, c'est pas mal déjà. Tiens, tiens. C'est quoi ça? On va bosser avec ça. Prends ça. C'est une tenue pour bosser. Bosser dans quoi? Tu vas arrêter de mendier, toi, là. Va bosser un peu. Ok. Ça va te faire du bien. Attends, attends, moi attends, je veux bien. Attends, moi je veux je bien. Je te passe à bouffer. Ok, ok. Ça va bien bouffer. C'est quoi ça, Jupiler? Vas-y, je t'emmène bosser, je t'emmène bosser. Monte. Ok, ok. Parler avec qui là? Bah j'ai appelé un taxi en fait. Et après il me racontait sa vie. Je t'ai dit, j'étais un ancien chauffeur taxi, je te raconte ce que tu veux. Ah non, je voulais juste savoir parce qu'il me racontait sa vie, du coup je voulais le faire parler, miskin, ça se voit, il a eu une dure journée. Par contre, moi tu vois, j'ai des questions là, je comprends pas trop ton histoire de bosser. Pourquoi t'es aussi gentil avec moi et tout, je sens qu'il y a une douille là, une couille pas quelque part. Y'a pas de douille, y'a pas de douille. T'as les cheveux mauves, ouais. T'as volé. Je vais te déposer, je vais me barrer. Juste t'expliquer comment ça marche. Et c'est quoi ça, c'est quoi le travail là? Voilà, c'est LS Conforama. Ah, Conforama, au calme. Je connais moi un truc, tout ce qui est menuiserie et tout. Quand je bossais en tant que chauffeur de taxi, j'ai l'habitude d'emmener un peu les nouvelles personnes, leur montrer un peu la ville. Ok. Ça va adapter le temps, ça fait quelques contacts. T'as l'air fatigué toi, tu veux que je te paye un café? Non, c'est pas. T'as de l'argent déjà? Non, mais voilà, j'allais pas te le payer, je veux juste savoir si t'es. Ah. En gros, on va boire un café quoi. Tu offres pas. J'ai pas, là, si je pouvais, je t'aurais offert. Tu vois, on va au café, tu te prends un café et voilà quoi. T'as l'air fatigué. C'est quoi avec la tuile que je t'ai passé? J'ai acheté des sapes. Après le reste j'ai coffré quoi. J'attends pour acheter une voiture en fait, du coup c'est comme si j'avais pas d'argent. Parce que t'as vu, j'en ai marre d'être à pied. Ça coûte combien les voitures les moins chères ici? Ah, la Blista c'est 6 000 $ max avec les taxes, tu peux la négocier un peu. Ah ouais, ok, ok, ouais, je vais négocier à mort alors. Prends-toi un vélo toi, t'es... Non, t'es un ouf, j'ai mal aux jambes frère. Ah non, tu ouais, mérites wesh, wesh. Tu mérites de... Ah ouais, c'est, ouais, qu'est-ce que t'as? Ah non, rien, rien, vas-y, t'inquiète. Ah t'es un ouf frère, j'ai mal aux jambes. Tu mérites de rouler en vélo toi. Pourquoi ça? Ah là il est tombé dans mon piège. Ah y'a trop de personnes qui sont gentilles avec toi. Je te fais des apparences. Après c'est parce que moi j'ai l'air de sympa quoi. Non non non. T'as foutu la merde avec les vagos. Comment ça j'ai foutu la merde? Pour une phrase ça y est, ils sont fous ces mecs. J'ai rien dit moi. Il m'a dit tu veux du shit, je lui ai dit non je suis pas un Yampli. Et en gros je suis pas intéressé, voilà c'est tout. Ça marche pas comme ça. Ça va alors en fait du coup je suis obligé d'acheter alors. Putain je dois aller faire mes affaires moi, c'est pas entraînant avec toi que je vais me faire de la thune. Allez ça. Ah merci hein. Mets ta tenue, rentre, mets ta tenue. Je vais pas devoir te déshabiller. Rentre dans la bagnole, mets ta tenue. Ah il a pas blagué le sub là. J'ai envie de voler la caisse. Tenue. Merci, El Kingdoms. Conforama. Sors, je sens que tu vas voler la bagnole. Oh, ok, c'est bon. Ah, les chaussures, voilà, elles font mal au yep. C'est quoi ça, frère? Ah, c'est le taf. Éloigne-toi un peu. Le gars. Parle avec la gentille madame. Demande-lui si elle a du taf. Bonjour. Prends le véhicule de fonction. Bonjour mademoiselle Ygritte, vous cherchez des employés? Ouais, ok. J'ai pas de taf là, wesh. M'a donné un véhicule, mais pas de taf.
Ouais, elle m'a proposé une caisse, mais pas de taf, quoi. T'as 3 points. Tu vas y aller. Ah, elle a tout mis dans le GPS. Vas-y, bah merci, hein. J'ai 3 points. Vas-y, on va bosser, hein. Prends son nul. Non, en fait, les gars, c'est tout dans mon intérêt que. En fait. En fait, je vous ai expliqué. Mon plan, c'est un peu de faire le pitre, tu vois. Pour qu'on prenne par pitié et qu'on me dise, ouais, rejoins notre truc, mais Annie. Moi, j'observe. Je prends tous les blazes, tous les noms. Tu veux savoir le maximum d'infos, tu vois. Oh merde. Les frères Pistache. Te remercie. Simer Hunter pour les. Les 10 mois, merci mon pote. Bravo, hein. Bravo pour la qualif et le top 1 aujourd'hui. Voilà un monstre, toi aussi. En gros, j'ai pas envie de faire le mec en mode ouais, moi je connais tout dans l'illégal et tout, Annie. Je veux faire le mec chill, tu vois, chill qui rigole. Parce que mon perso il sait pas encore s'il a envie de repartir dedans. Du coup, je fais un peu le débile. J'observe mes possibilités. Tu vois. Genre, j'essaie de faire un truc tranquille. C'est pour ça, il y a des gens qui me disent ouais, mais casse-lui la gueule, Annie. Non, tranquille, laissez les gens mal parler. Vu que c'est pas le même serveur, il n'y a pas la réputation d'Alexandre Hakim RP parlant. Ouais, c'est ça. C'est Merit Security pour laisser moi. Si GTA, ça fait plaisir de devoir poser maintenant. Merci, frérot. Merci, mon pote. Demande pour les cheveux violets. Ah, mais ça, c'est juste qu'ils me disaient ouais, les cheveux violets, c'est peut-être mal vu dans leur quartier. Mais... je m'en fous un peu, moi. Si Merit Rockstar Mania Ball. T'arrêtes pas à tous les feux. Ouais, mais là, il y avait des keufs. En gros, c'est ça le but, tu vois. J'ai pas envie de juste faire le mec. Oh, il m'a mal parlé, je vais lui casser la gueule. Oh, t'es mort, mec. Non. Faut faire les choses bien. Qui tu récupères des matériaux. De toute façon, là, moi, je vais changer ma teinture après. Je vais faire teinture blanche, teinture. Personnage, vous êtes trop lourd. Je peux pas mettre dans le coffre. Je peux pas mettre dans le coffre. En tout cas, wesh, c'est un truc de ouf. On est 10 000 depuis je sais pas combien. Vous êtes encore 10 000 là. C'est un délire, frère. Même pour Golf Duo, vous étiez 10 000, vous êtes encore 10 000. Il est 2h40 du matin. C'est une dinguerie. Merci, les gars. Ça fait plaisir de voir que le projet marche autant. Et que bah vous kiffez en fait. Cet après-midi, on est parti conduire, on est revenu, on a fait Golf Duo, du coup vous avez pu voir le défi. Bon, même si on peut pas encore voir Bifresh, même si on peut pas encore voir Bifresh parce que. Ok, stockage. On peut pas encore voir Bifresh parce qu'on a pas encore atteint le sub goal. Mais il y a le sub goal Mario De Janeiro, on va essayer de le faire bientôt. Mario De Janeiro, pour ceux qui étaient pas là. Au lancement, Simersum Mokas pour les 3 mois. Pour ceux qui n'étaient pas là au lancement, ça va être très simple. On va prendre un quatrième joueur, on va faire un championnat de Mario Party sur une semaine ou deux ou trois semaines. On va définir les règles cette semaine avec Bibi à côté, mais en gros le principe est simple. Et une personne va partir à Rio. Vous devez regarder, bah, je regarde le coffre de mon véhicule là. Une personne va partir à Rio. Pas tout à l'heure, je suis en train de 21. Une personne va partir. Non, les trois personnes vont partir à Rio et une personne va rester dans la bras et ça va faire des streams. Du coup, voilà. Oh, moment. Ça vaut quoi, mon Manus? Frère, le meilleur acteur de l'histoire. Ça vaut quoi, frérot? C'est quand que tu viens? Tu me débectes. Sur plusieurs Mario Party, tout ça. On va essayer, ouais. On va essayer de faire ça sur plusieurs Mario Party. Trois jeux différents, je pense. Et comme je vous ai dit, je pense le premier il aura 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et le quatrième 0 point, tu vois. On va essayer de faire ça sur 3 ou 4 Mario Party. Je pense que ça peut être lourd et voilà.
Genre le concept est vraiment stylé, il est vraiment adapté à la Brouhaha. Et il est adapté aussi à nos streams, tu vois. Genre on est très très défi. On aime bien faire des défis. Ça fait longtemps que j'ai pas taffé sur GTRP, wesh. Après GTRP, je vous dis, je pense au début je vais un peu jouer, beaucoup. Parce que ça me refait kiffer, tu vois. Là, y a plein de souvenirs qui me reviennent dans la tête. Mais voilà. Attendez deux secondes. Mais ça va être modéré, les gars. Ça va être modéré. Risque d'avoir une inégalité à la fin. Ouais, mais on va tout calculer pour bien faire le bail. Et s'il y a une égalité, on fera pierre, feuille, ciseaux, un truc comme ça, tu vois. En vrai, on va essayer de faire un truc lourd. Ah, et merde, il reste que 2 kilos dans le coffre. Ça va pas durer 6 mois comme l'autre fois, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, là je suis à la Brouhaha, donc j'ai le contenu, tout. Je peux faire ce que je veux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a stream, j'apprenais à conduire. Hier, on a stream, on faisait quoi hier? C'était tellement des trucs que j'ai oublié, wesh. On a fait de la cuisine, on a fait des lasagnes absolument succulentes. Et l'autre jour, on a fait un Mario Party, on a fait un aquarium. Non, il y a vraiment des trucs, vous inquiétez pas. Avant, j'étais tout seul dans mon appart, du coup, genre, c'était la solution de facilité, tu vois. J'étais là en mode, ouais, bah, vas-y, on va jouer à GTA. Ok, 68 kilos. Je prends les deux derniers boys et c'est parti. Et là, voilà, quoi. Ah oui, il y avait le jeu d'horreur, mais le jeu d'horreur était nul. Ça, on n'y peut rien. En gros, moi, je voulais jouer à Outlast 2, mais Outlast 2, on l'a déjà fait, du coup. Enfin, moi, je l'ai déjà fait. En stream. Avec Lipsia. Du coup, j'étais en mode... Ouais, c'est pas fou. Et après, on m'a dit, ouais, il y a Layers of Fear. J'ai reçu un DM d'un mec qui m'a dit, Layers of Fear 2 est sorti. Et moi, j'avais fait le 1, j'avais kiffé. Enfin, il m'avait fait chier ce jeu. Genre, j'avais peur de ouf. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Mais au final, le jeu était nul. Enfin, il était pas adapté, tu vois. Je pense, moi, tout seul dans ma chambre, je me serais chié dessus. Parce que moi, j'ai beaucoup peur des ambiances et tout. Et ce jeu, c'est que des ambiances. Mais quand t'es tout le monde sur le canapé et tout, t'as plus envie de te faire courser par un truc et tu te chies dessus et tout, genre. On est à combien de subs? Là on est à 3500. Wow, on est à 3577. Pas, c'est merde, Dolcix pour le sub prime. Merci beaucoup. C'est dans le même serve que t'as, je crois pas, lui il est sur Flashland. En fait Flashland, le serveur avait l'air lourd, mais on m'a dit ouais, le RP il est pas, tu vois. Il est un peu plus fun qu'autre chose. Et moi je voulais pas un RP fun ou... Genre ça dit, tiens, genre ça t'insulte, ça se tape direct et tout. Genre je trouve ça un peu éclaté, moi. C'est marrant deux streams et après c'est nul. Je préfère un serveur où tu sais, tu développes ton personnage, tu développes des relations, tout ça quoi. T'as gagné combien de subs depuis la Brouhaha? Bah, théoriquement, avant de commencer la Brouhaha, parce qu'il y a eu une semaine de pause, et une semaine forcément quand t'es streamer, c'est vraiment... Tu prends un coup quoi. Du coup après la semaine on était à 2400, mais avant la semaine je crois on était à 2900. Du coup là ça fait 600 subs, un truc comme ça, c'est lourd. Y a quasi pas d'RP sur la chaîne. Après moi j'en sais rien. Moi je parlais genre à des gens que je connais, ils m'ont dit ça, du coup. J'étais en mode ouais, j'ai pas envie d'un RP fun où il va falloir se battre et tout. Vous n'avez plus de place dans votre inventaire. Oh merde. Flashland c'est semi-RP sur le cheat de Tower. Ouais bah voilà, du coup moi je voulais pas un serveur comme ça. Moi j'aime bien tryhard de l'RP, c'est pour ça que... C'est bien Rosgoon 68 pour les 4 mois. C'est pour ça qu'en fait moi je... Inventaire, bois usé. Je vais en jeter hein. Je peux en jeter. R jeter, je vais en jeter 15. Non. 10. Ok, donc là je fais des meubles. Ah, le problème c'est que je suis full.
Ouais, il faut que tu rejoignes un serveur 400 slots, c'est vraiment incroyable. Celui-là déjà c'est pas mal. Il y a 64 slots nord, 64 slots sud, je crois. En vrai, GTA c'est chill, t'as vu? Ouais, pour l'instant c'est tranquille, wesh. Pour l'instant c'est tranquille. Mais là le problème c'est que je suis foutu là. Si si les meubles, mais bon. Oh, ouvre ta mère! Ah ok, je pense que c'est parce qu'il y a le truc par terre. Ok. Je sais pas combien de temps ça reste par terre, mais vas-y, j'ai fait une connerie là. Merde, attendez. Alors, inventaire, meubles. Je vais mettre les 11 meubles par terre. Ah non, en vrai, il y a 11 meubles, du coup, je peux en faire plus, ok. Ok. Là, je peux en prendre 11. Oh, calme, je suis un monstre. Ok, c'est bon. En une heure de jeu, t'as déjà un gang sur tes côtes. Non, j'ai pas un gang sur mes côtes. Personne connaît mon nom. J'ai juste à changer la teinture ou ma teinture et c'est bon. Après, j'ai rien fait de mal. Arrête, je peux comprendre. Tu vois que ça. Là, il y a un mec qui vient, il m'attrape, il me casse la gueule, mais. Mais ça va quoi. C'est un galérien. Je fais une petite vanne, ça va. Attends, faut que j'en mette. Ok. J'en mette 10. Là, je prends 10 bois usés. Non, 11 bois usés. Oh, c'est un calcul mental de ouf. Jure, il y a The Legend. Merde. C'était assez vache en vrai, c'était juste que meubler un truc lourd, aller voir d'autres meubles, tiendrait un peu. Après, non, ça dépend, frère. Moi, je trouve mon RP, il est pas foufou. Hein. C'est tranquille, quoi. C'est tranquille. La phrase en scène, pré-live est de retour encore pour un projet lourd qui arrive, ou tu peux en dire plus ou pas? Ah non, 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 il n'y a pas de. Enfin, si, il y a un autre projet lourd qui arrive, mais je peux pas en parler du tout. Je peux pas en parler du tout. Putain, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû prendre autant, frère. 12 meubles. Boisés. On va faire ça, hein. Solari rachète la Kameto Corp, peut-être. Hein. Dépose des meubles à ce que je vais en faire. Cimer Honora pour les 9 mois. Merci, merci. Et après, je crois qu'il y a une troisième étape. Oh, c'est la merde. Ah, mais je crois que c'est faut vendre les meubles, en fait. C'est tout. Merde. Déposer un objet, attendez. C'est compliqué. Là, j'en retire 20. Tu peux ou pas 20? Non. On va essayer 15. Non. On va essayer 12. Ah merde, ok, j'étais full. Désolé, désolé. Jure, t'as pas envie d'inverser les deux premiers sub goals qu'on en finisse avec le masque de Bibi? Bah, de base, c'était ça. Mais non. On a changé, on va pas rechanger toutes les deux minutes quoi. J'ai combien là, je sais pas. Ah mais en fait, il y a pas assez de place dans le coffre, je suis abattu. On va poser 7. On va prendre 7. Là, je peux en mettre 7 ou 8 encore. 7. On va en prendre 7. OK, c'est bon. On a un bon rythme là. On va poser 7. On peut en récupérer 7.
Ok, ah bon, oh, mes oreilles. Oh, ce casque qui m'explose les oreilles. Chapman est vivant. En vrai, je sais pas, hein. J'espère. Mais j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles depuis la dernière fois aussi. On va déposer un objet. Meuble. 10. Oh merde, tiens, j'ai grid. Quoi? 6. Ah non, je suis con. C'est 7. Ah merde, putain, j'ai mal au crâne. 7. Ah ok, c'est parce que j'avais arrêté deux trucs. Bordel. Chapman a les menottes. On va le libérer, les gars. Ah bordel, le taf. Hein? Oh, c'est un bordel, ça vaut quoi? Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Ça paye, tu sais, ça paye. J'en sais rien, voilà, depuis tout à l'heure je galère, mon pote. Ok, ça avant je faisais des boueurs, mais ça m'a. Vas-y, c'est trop long. Ah, en plus tu pues après. Ah, ça sent un ah peu ouais, que t'étais boueur, toi. La tenue, mon pote, c'est waouh. Je sais pas comment ça marche avec le camion, vas-y, ça va être de la zeub. Je sais pas pourquoi les gens aiment trop me raconter leur vie, voilà, je leur ai rien demandé. Je suis pas méchant ou quoi dans la vie, mais voilà, pourquoi ils me racontent leur vie. Qu'est-ce que je lui ai dit? Pourquoi je lui ai dit moi ce que j'étais avant? Non, je l'ai pas dit. Après tranquille, ça fait de la conversation. Ah bah là c'est bon, là je peux plus mettre de meubles, je peux déposer un meuble. Putain, j'aurais fait un top run. 68 meubles. Là on les transforme tous en... C'est du RP, je sais, wesh. Je suis un galère, poteau. Ah ouais, ça dit quoi, poteau? Je sais pas, je suis en galère avec le camion, mais tranquille. Ah frère, moi aussi, en fait, j'ai pris trop de bois. Il a pas blagué, du coup, le camion, aussi, voilà. En fait. Du coup, je pèse 400 kilos, en fait. Oh, tu pèses... Non, tu pèses pas 400 kilos. Non, enfin, ouais, j'abuse un peu, mais... Ouais, toi, bah... T'en prends combien sur toi, après? T'en prends... Genre, bah, tu prends moi, je vais pas te mentir, j'ai tout pris. Voilà, j'ai tout pris. Je suis dans la merde. Je suis dans la même merde. Moi, je viens de finir. Je viens de sortir de cette merde. Du coup, je vais te laisser. Mais t'en... Ah ouais. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, tranquille, moi je vais mettre 50 heures, mais tranquille, vas-y, t'inquiète. Moi j'ai mis 10 heures là, ça fait 10 heures que je suis là. 10 heures? Ok, ah, ça va. Ça, tu t'es pas endormi. Non, ça va, on bosse. Hein. Vas-y, bonne chance, pote. Hein. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, à tout. Grave sympa le mec. Ouais. Ça se voit, lui, c'était un bon. Ça se sentait. Ah ouais, ça se sentait dans sa voix. Ça va, c'est pas très loin le circuit. Ça se voit, sa voix, il est ternine. Il a une voix de bon bouffon. Arrêtez d'être méchant, les gars. Arrêtez d'être méchant, merde. Il vous a rien demandé, le mec. Il est gentil. Oh, le lapsus, sa mère. Il est gentil, voilà, il est gentil. C'est un bon. Je veux dire, c'est un bon. J'ai dit, il est con. Ouais, c'est un bon, voilà. Ah putain. Je sais pas, j'arrête à quelle heure par contre. Parce qu'en vrai, je voulais pas. En fait, j'ai un bon rythme en ce moment, j'ai pas envie de le niquer, je vais pas vous mentir. En vrai, Reeves, vu que toi, je sais que tu joues sur le serveur, bah même Luo en fait, si vous êtes sur le chat. Genre, en termes de population, c'est rempli tout le temps ou. Enfin. Genre, si j'ai envie de jouer, je sais pas, moi, à 18h, c'est rempli. Vous rentrez chez vous pour la hit Kamel, ça dépend. Moi je crois que je vais pas rentrer parce que c'est quand même un gros projet, il faut que je charbonne, mais les autres ils pourront rentrer, y'a pas de problème. Pas de manger frérot, ouais t'inquiète. Ah merde, voilà c'était en bas, j'ai pas vu. Ah je suis abattu. Je suis l'homme le plus triste de France. Ah je suis l'homme le plus triste de France. Arrête vers 4h. Non, mais je j'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter.
Smerzolaski. Force à toi alors frérot si tu restes sur abonné. Ouais tranquille, c'est pas grave, je dirais à ma daronne, à me dire ouais, on est bien quand même. Je pense que ça doit être vers là. Hein. Je pense que ça doit être vers là. Ils disent de reprendre l'autoroute. Alors que c'est en bas. Tiens, on va aller à droite. Je suis anéanti. L'homme le plus triste de France, je vous dis, c'est pas pour rien. Putain. J'espère qu'ils vont pas me faire payer d'un truc pour le camion. Ah, je suis abattu, sérieux, je suis vraiment, c'est... Voilà, mettez des bons GPS. Ça me dit de prendre l'autoroute. Dis-moi que c'est des meubles. Bon, calme, hein. Ah, c'est 8 dollars le meuble. Putain. On va aller négocier un prix de voiture. Hein. Frère, c'est une guerre de territoire où j'ai TRP 600 jours. Je sais pas, 600 jours, c'est chaud. Sur celui-là, on m'a dit, il y a 64. C'est vraiment bien 600, il y a toujours du monde et des nouvelles rencontres. Non, mais frère. En vrai, rien que déjà... Là, tu vois, il y a 64, je crois, dans la ville où je suis. Déjà, là, tu vois, je rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Parce qu'avant, 32, c'était vraiment trop faible. Mais 600, frère, la whitelist, ça doit être un... C'est merveilleux. Genre, il y a trop de trucs, en fait, qui peuvent arriver. Faut trop de modos, faut trop de... C'est ingérable, voilà. C'est ingérable. Et là, ouais, 128, c'est incroyable. 128, je trouve, c'est incroyable. Après je pense, faut vraiment être fort hein. Tout ce qui est modération et tout, franchement merde, putain, faut chapeau hein, si t'arrives à gérer un serveur à 600 slots, voilà. Ouais, en gros, ouais, là, il y a 128. Parce que c'est 64. Pour l'instant, tu rencontres au bout de 2 semaines, tu revois tout le temps les mêmes têtes. Non, je pense pas, frère. Parce qu'il y a 128 personnes déjà. Déjà avant, quand il y avait 32, bon. Ça prenait 2 semaines. Après, tu connaissais tout le monde. Mais ouais. Un. 128, moi, je trouve ça lourd. 128, c'est gérable encore. Free Chapman, merci Xeno pour les 20 mois. 128, je trouve ça lourd. À quand la vidéo Bro House Tour? Cette semaine. Il y aura bientôt 256. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai compris. Un meuble à retirer. On va retirer 10. Je pense que j'en ai vendu 10. Putain, je pensais que j'en avais vendu 10. Là, j'en ai vendu 10, c'est sûr. 1. Adastra valeur sûre 600 slots. Je sais pas moi les gars, j'ai pas suivi, je vais pas vous mentir. Le RP moi j'ai arrêté quand il y avait 32 slots. Et encore 32, c'était 30 plus 28, 29. Et à l'époque en vrai c'était bien, mais tu te lassais quoi. Je sais pas comment les gens ils ont fait pour continuer à jouer, voilà, j'étais... Il n'y avait plus rien à faire, quoi, c'est... Enfin, ça devait être dur, quoi. Là, j'ai 2000 balles, là.
Moi je vais aller gratter, je veux. Un mois de plus, c'est toujours un plaisir de te voir que la brosse nous réserve. Merci frérot, CF Caen. La V3 d'Astra va être incroyable. Vous en parlez vraiment comme un serveur de ouf. Je vais me renseigner un peu. Moi j'ai RP sur Adastra, ça, t'as fait le bon choix, Adastra c'est RP poubelle. En vrai je sais pas les gars, après c'est chacun son avis tu vois. J'ai pas envie de juger si je connais pas le bail. Je connais pas le bail, chacun fait ses trucs tu vois, genre. Je trouve que c'est lourd. Après ça peut être lourd de tester tu vois, en mode voir un serveur où il y a beaucoup de slots, ça peut être lourd. Mais tu vois c'est... Ça va être trop lourd à gérer. Moi j'ai vraiment connu les déboires du RP, c'est-à-dire les tout ce qui est stream hack et tout, fois 1000 genre, vraiment fois 1000. Merde Dylan et celle-là. Genre tout ce qui est stream hack, stream hack qui te baisse dans le jeu, ce qui est stream hack qui te baisse dans ton RP, stream hack des gens qui veulent juste passer sur ton stream. J'ai tout connu des galères comme ça là. Ah ouais, j'ai vécu. Non mais en vrai... Genre 600 slots, c'est un truc de ouf. Wesh, Scarty, ça ou quoi? Merde pour les 8 mois. C'est merde pour les 8 mois. Mais ouais, frère. On retente GTA, hein, de speed. Pour l'instant, c'est au calme. C'est trop lourd là. J'en profite pour parler avec le chat. C'est merde Ryan pour les 11 mois, merci beaucoup. Putain, vas-y, ouais, il m'a dit 6000 balles une voiture, frère, je vais travailler 3 ans avant de l'avoir. C'est merde, lui du 67 pour les 13 mois, merci frérot. Faut que je trouve un. Ah non, t'inquiète, ouais, je suis un ouf. Je suis un arnaqueur de ouf, qu'est-ce que je me casse le cul avant des meubles, frère. Premier et dernier run de meubles, frère. Je vais aller acheter une voiture déjà. Paye bien ton taf, t'es un ouf frère, ça fait 3 heures que je suis en taf. C'est où? Concessionnaire de voiture, j'y vais. C'est juste à côté en plus, passe bien. Tu veux nous montrer la prog de demain? On l'a pas encore faite. En général lundi ce sera jour de repos. Mais demain ce sera je pense un jour tranquille. On tweetera la prog et tout. Je continuerai de jouer à GTA. On fera peut-être un autre jeu, un let's play ou quoi avec Bibi. On voulait faire des let's play dans le salon. Et profiter du méga écran. On verra. Mais là on n'a pas encore pu faire. Merde. Je suis bien garé. Merde. Ah, y'a personne. Je suis abattu. Oh, papa, bonjour. Pas blagué, c'est merdu qui est pour le cinéma. Bonjour. Vous êtes au travail ici? Non, pas du tout, non. Ah, ok, parce que je voulais acheter une voiture et. Et voilà. Essayez peut-être de faire un appel là-bas à la sonnette. Ouais, j'ai essayé d'appeler à la sonnette, mais je crois qu'il dort là dans l'horloge là, bizarre. Là. Ah ouais. Ouais. C'est qu'il y a personne en service là en ce moment. Ouais, je crois qu'il dort, mais ça doit être fermé ou quoi, je sais pas. Hein. Peut-être jour férié. Peut-être. Je vais venir voir le catalogue. Ouais, allez-y. Alors. Blista 4400. Il faut un concessionnaire, putain. 4400, ça va, c'est jouable. Vous allez arrêter Rust, non, on va finir la saison. Tous les stream chill sur 2K, UFC ça continuera. Attends, c'est le mec, c'est Davon là. Les motos. Ouais, mais j'ai pas envie d'acheter un Vespa, il me faut une Blista. Faut 4000 balles. Papa. Et j'avoue qu'une petite motocross. Il fait quoi lui?
Après, il attend quoi devant? Bizarre ce mec. En attendant quoi? Non, c'est le stand de tir qui fait ce bruit. Chelou ce mec. Bientôt l'heure de manger, oublie pas. Ouais. De toute façon, je vais pas tarder là. Je vais pas tarder. On n'aura pas fait énormément de choses. Attends, il m'a déposé où? On n'a pas fait énormément de choses, mais juste on a créé le perso, on a le truc, on a parlé vite fait. Elle est ce qu'on pourra ma web, voilà, c'est ça. C'est Merner pour le Supreme. On aura un peu rigolé avec le téléphone et tout. Voilà, moi je vais faire taxi, frère. Ce taf, c'est pas pour moi, je vais leur rendre leurs affaires. Je vais plus en entendre parler, moi, de Conforama. Y'a combien Raptors Warriors? Y'a combien Raptors Warriors? Moi je vais me mater la NBA en bas en prenant mon petit sahur. Quelle vie de rêve. 46-35 pour qui? Pour qui? Plus 11 Raptors. Oh, faut que j'aille regarder ce match, wesh. Toronto gagne de 10 points. Non, en vrai, on va faire ça, les gars. Je commence à fatiguer un peu. Je vais aller me poser en bas. Je vais regarder la NBA. Je vais sahur et je vais aller dormir. S'en bat les couilles des vagos. Il peut te chanter la chanson que tu veux, on s'en bat les couilles des vagos. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un vagos qui t'a. C'est pas parce qu'il y a un vagos qui t'a dit de venir là que. Voilà. C'est pas papa. Le brico, le confort à mal. Pipipiripipi. Ouais, Human. Avec le chapeau jeune. Du coup, c'est possible de travailler brico. Enfin, confort à mal. Ouais, c'est possible, c'est possible, bien sûr. Ouais. Pas voulu. Faire quoi là? C'est mieux qu'il est beau. Moi, je vais attendre l'autre aussi là. Je sais pas, il essaie de. Si, il faut juste être. T'as fait quoi? T'as cassé le camion d'Ingrid ou quoi, man? Non, voilà que non, regarde, il est neuf le camion, wesh. Ouais. Pourquoi elle veut pas alors ton camion? Je sais pas, si elle veut quoi? Truc. Ingrid, voilà, s'il te plaît, récupère le camion. Voilà, moi je dois rentrer là. Ouais, man, pour l'instant ça va. On t'explique un peu comment ça se passe. Bah, viens, man. Viens, man, on va t'expliquer comment ça se passe. Ok, ok. Ça va ou quoi, les man? Ouais, ça va, man, et toi? Tranquille, man. Ça, mon pote. T'as des cheveux violets ou je rêve? Ouais, j'ai des cheveux violets, pourquoi? Attends, je vais juste me changer dans le camion, j'arrive. Vas-y, vas-y. Non, y'a rien, y'a pas de. Ça, c'est ma. Regarde, c'est ma tête. C'est lui le blanc qui avait les cheveux violets, tu disais? Oh merde. Oh, démarre ta mère, putain, je suis pas. Je suis pas à la place conducteur. Oh, va à place conducteur, frère! Non, en vrai, il m'aurait déjà arrêté. C'est ta première journée aujourd'hui, laisse qu'on fasse. Je suis pas une salope, frère, ni ta mère. Ouais, Scottman, est-ce qu'il paraît? Il y a des gentils vagos, man, qui ont dit à ce monsieur devant de venir laisse qu'on fasse à moi. Est-ce qu'il paraît? Il devait passer le message comme quoi c'était la part des vagos, man. C'était de la part de ceux de Kitan le barbershop. Ouais, moi j'ai des cheveux. C'est qui m'a demandé si j'ai des cheveux violets? Parce que moi j'ai des cheveux violets, ouais. Ouais, pourquoi tu gardes ton casque? Attends. C'est fini le boulot? Ouais, je sais pas, attends. Je l'ai mal détaché alors. Pourquoi il y a le casque, sa mère? Après, je peux le garder si j'aime bien. Ouais, si t'aimes bien le jaune, y'a pas de problème, tu peux le te remercier. Ouais. T'aimes bien le jaune, man? Ah, non, enfin. Ah bah. Moi j'aime bien. Le jaune j'aime bien... out, le violet in. Oh, j'aime bien le rouge aussi. Le rouge, ouais. Ouais. C'est bien le rouge. Ouais, le rouge, c'est lourd le rouge, voilà. Ouais, rouge bien. Tu vois, le rouge bien pulpant. Comme les fraises, là. Bien, j'aime bien les fraises aussi.
Ouais, comme le sang qui coule. Ouais, aussi, si tu veux. Frère. Comme le sang qui coule, ouais. Je sais pas, man. Le sang de qui? On dirait une mégale. T'aimais pas le violet, les mains? Moi, je trouve que c'est sympa, le violet. Sympa, mais ça fait un peu... Par contre, ouais. Vous souvenez, ouais, vous souvenez de cette petite veste? S'il met du violet, il pourrait mettre une tenue correcte, quand même, tu vois. Ouais, ouais, cette veste, ouais, je m'en souviens, ouais. Pourquoi on en a une. On en a une. Le mec chill. Le mec chill. Je la veux, sa veste. Frère, moi, elle est lourde, ma veste. Je la vends, hein, tu veux la acheter? T'as vu, ouais, moi je la vends. Non, je la vends, vends. Tu vas me la donner, man. Non, 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 ouais, voilà que non. Arrêtez, arrêtez, ouais, ouais. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Moi, les gars, je veux pas de problème. Eh, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Mais voilà. Écoute-moi bien. Ouais. Je peux pas te la donner pour que tu l'essayes. Si tu je l'enlève, tu l'achètes. Je veux l'essayer. Ah, je peux pas. Je reviens chercher le truc. Sache, mon pote. Ici c'est chez moi, je fais ce que je veux. Ouais, y a pas de problème. Si je veux ta veste, je la veux. Bah j'ai compris. C'est comme un magasin quoi, si tu veux la veste, faut l'acheter. Je veux ta veste. Bah moi... Ça fera 200$ aussi. Je crois qu'il a pas compris. Écoutez, non, non, Ok, calmez-vous. Moi, je cherche pas les emmerdes. Je suis là, j'ai travaillé toute la journée, j'ai vendu des meubles. Je suis fatigué, voilà, je suis fatigué. Je suis fatigué. Y'a pas d'embrouille, man, tu vois, t'es notre petite Ingrid, tu vois. Ouais. On est ensemble, mon pote. Je vais juste tester ta petite veste, pour voir si elle me va bien. Ça me va pas, je te la rends, mon pote. Mais si elle te va bien, y'a quoi? Bah, si elle me va bien, bah. Elle me va bien, man. Frère, tu sais, j'ai du sang algérien, je peux pas. Les humiliations, j'ai du mal à accepter. C'est pas un peu une humiliation. Mon pote. Bah si, tu me demandes de me passer ma veste. Je sais très bien ce qui va se passer après. Bon, même si là je suis pas en mesure de négocier, hein, vous êtes beaucoup. Frérot, genre vraiment. Putain, après on se connaît pas et tout, mais je pense genre en gros juste prête là et tout, il va te la rendre genre si tu as tout dans les mains pour rien. Voilà, voilà, je l'aime bien ma veste. Vraiment, pote, genre juste vraiment. Si, man, c'est bon, que... juste essayer la veste. Est-ce que. T'es un mec cool. Moi je suis cool, voilà, je suis cool, regarde, je suis cool. Je t'appelle comment, man? Je suis cool, je m'appelle Tony, je viens d'arriver. Ouais, Tony, man. Je viens d'arriver. Merci, Tony, man. J'ai travaillé, bien voilà. Sûr, t'es un mec bon, Tony. Moi je suis un bon, voilà, je suis un bon, vous êtes mes frères. Bien sûr, man. Get cheveux violets, vous êtes tous en violet. Vous êtes mes frères. J'avoue, les cheveux violets. Ouais, ça c'est vrai. Mais man, Marc Capon, il t'a demandé gentiment ta veste. Ouais. Je vais pas lui dire non quand même. Ok, bah vas-y. Est-ce que moi je peux gentiment lui demander ses chaussures? Parce que je trouve qu'elles iraient bien avec ma tête et mes cheveux. Vas-y, demande-lui. Est-ce que man, serait possible que j'essaye tes chaussures, s'il te plaît, man? Il a mal entendu, je crois. Tu hein? J'ai pas entendu. Hein? Quoi? Pas du tout. Non, tu veux pas? Non. Ok. Bah tranquille, frérot. Bah moi je les aime bien. Tu peux me dire que je les ai achetés où? Comme ça j'en achète des pareils. Je les ai achetés au Bingo, man. Près de Vespucci. Moi j'ai acheté ça. On m'a déposé dans un magasin pas loin du commissariat. Parce que j'étais parti chercher mon permis. T'es un flic? Non, non, j'étais parti chercher mon permis, wesh. T'es sérieux? De quoi? Tu travailles avec le commissariat? Tu travailles avec les CAPS? Vous êtes idiot ou quoi? Je suis parti chercher mon permis. Je suis parti chercher mon permis. Je suis parti chercher mon permis. Il a dit qu'on était idiots. Hein? Je crois qu'il a dit qu'on était des putains d'idiots, mon pote. Mais non, je parle espagnol. J'ai dit, my dio, mi dio, mon dieu. Ah, ouais, vite fait. Okay. Bah ouais, vous êtes con, quoi. Bah ouais. Ah, j'ai cru que j'avais dit que vous étiez idiot. Ah, désolé, ah non, vous êtes des ouf. Ah non, ouais, moi j'ai. Tu vois, je regarde beaucoup de films, Tarantino, Scorsese et tout. Et ils disent beaucoup mi dio, c'est tout. Du coup, moi j'essaie de refaire pareil pour avoir du style. Ah, vous avez compris que j'étais. Ah, ok, désolé, tranquille, voilà. Parle pas la langue des tacos, tu vois. Ah, de toute façon, moi c'est juste parce que j'aime bien les films, hein. Ouais, chacun sa passion.
toute façon, moi, les Espagnols ici, les mecs qui parlent un peu avec l'accent là, si, senior et tout, ils m'aiment pas trop ici, hein, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour vous, donc. Non. Nous, on adore les mecs cool. T'as l'impression qu'on t'aime pas. Toi, t'es un putain de mec cool, mon pote. Moi, je parle pas de moi, je parle pas de moi, je parle des mecs qui parlent avec un accent un peu. Si, senior. Ouais, j'ai pas l'impression que. Ceux qui disent negrito tout le temps. Ah, ceux qui disent puto, negrito et tout ça. Ouais, ça, ouais, eux là, avec les t-shirts jaunes. Attends, ils disent negrito les mecs du Burger Shot. Enfin, ils disent ouais, mon pote. Après, moi je veux pas d'embrouille, comme je vous ai dit. Honnête travailleur, j'aide Ingrid, d'ailleurs, on m'a proposé de venir taffer ici. Mais non, il travaille pour Ingrid. Bah ouais. Ouais, il travaille pour Ingrid. Ouais. Oh, voilà, j'ai vendu des meubles toute la journée. Ah, je savais pas. Après, voilà, Ingrid. Elle m'a envoyé dans un charbon, il paye pas bien, mais tranquille. Si c'est pour aider la daronne, voilà, on aide, y a pas de problème. Moi, je fais mon petit bif, j'aide madame Ingrid, je suis tranquille, quoi. Ouais, okay, et puis faut surtout pas la déranger, madame Ingrid, comme tu dis, mon pote, parce que moi, je la connais très bien. Ah ouais, non, j'adore, t'inquiète, hein, moi, madame Ingrid. Toujours dans le respect. Très proche, elle et moi. Ouais, j'espère, mon pote. En tout cas, c'est cool, les gars, hein. Ils ont oublié la veste. Ça change pas le fait que mon négro veut toujours ta veste. Hein ? Il veut essayer ta veste. Il veut toujours essayer ta veste. Ouais, il veut toujours ta veste. Après, elle pue là, frère. Après, si tu veux la mettre, elle pue, hein. Mais... Ouais, il veut l'essayer. Ah, je l'essaye. J'irai la porter. C'est où l'adresse ? Attends, je peux regarder mon GPS d'espi ? Vas-y, mon pote. Pour ton temps, man, on a tout notre temps. Beau petit soleil, il fait chaud. Ok, ouais, c'est pas très loin de la Sinner Street. Pareil, connais. Sinner Street. Ouais, Sinner Street, ouais. Tu demandes un ensemble putain, chill c'est là-bas. Commissariat, ça. Ouais, c'est, bah, c'est là-bas, je vous ai dit, moi j'ai passé mon permis. Quoi. Non, j'ai passé mon permis et je suis parti à un magasin de vêtements, c'est tout. Je devais changer de style. J'ai trouvé cette petite veste, cette petite ensemble. Et c'est tout, voilà. La veste bien chill. Ouais, bah, le vendeur, il m'a vendu ça. Voilà, il m'a douillé un peu pour le prix que c'était quand même. C'est pour ça, tu vois, j'y tiens quand même à ma veste. Moi, j'ai l'ambition. Il veut toujours l'essayer, tu vois. Il veut toujours l'essayer. Ouais, frère. Et il tranquille. En prendra bien soin, t'inquiète, mon pote. C'est le mec le plus cool du quartier, ce gars. Il s'appelle comment ? Consulte-toi. Moi, tu vois, si c'est mon frère, je lui donne ce qu'il veut. Il veut mes chaussures, je lui donne. Non, c'est pas que ton frère, mon pote, c'est ton grand frère. Lui, c'est le grand frère de tout le monde ici. Et s'il veut tester la veste de son petit frère, vaut mieux lui prêter, tu vois. Comme ça, il teste, il est content, il te la rend. Tranquille. Je peux lui donner la veste ou pas ? Ok, je lui donne la veste, je vais lui baiser sa mère dans le futur. Vêtements. Vas-y, tiens, mon frère, y'a pas de problème alors si on est frère. Je peux lui donner ou pas ? Je lui donne un truc en échange, parce que tu vois, là, il est torse nu et tout, tu vois. Ouais, c'est un putain. Peu. Faudrait qu'il se mette à l'ombre, il va prendre un petit coup de soleil. Non, vous inquiétez pas, les gars, j'ai l'habitude de travailler torse nu. À la plage, je vendais des canettes. Au bar et au plage. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Oh, j'ai cru que t'allais dire autre chose. À la plage. Ah non, je vendais des canettes à la plage et des glaces. Ouais, tu sais quoi, je l'aime pas trop ta veste. Tiens, garde-la, mon pote. Ok. Ta momo, t'es tout, j'en veux pas. C'est mère. Ouais, juste tranquille. Tranquille, les gars. C'est quoi cette bagnole là ? Fais pas attention aux gens du quartier. Ah merde. Si, le sac. Si, mère. Bon, vas-y, le quartier. Vous me les briefez sur le conf. Là-bas, je peux... On entendait que ça, mais. Voilà, les gars, vous êtes cool, hein. Qui veut le brief ? Tu veux le brief ? Mon pote. Non, je dis Scottman, hein. B ? Hein ? Ah, allez-y, Scott, allez-y. Allez-y, les petits. Bah, vas-y, man, je vais t'expliquer vite fait. Tu vois Ingrid ? Ici, c'est notre négresse, tu vois, c'est une petite balance. Et tu sais, c'est quoi être balance, man ? Ça fait partir de gang des violets. Ah, ok. Ah, ouais, moi je attends, j'aime bien les chaussures. Grand frère. Désolé, man. Ouais. J'aime bien tes pompes. Chaussures. Tu veux les essayer ? Ouais. Ouais, donne les bouffons. J'ai pas trop
chat de toute façon. Tiens. Ah, mais je les ai, man. Ils ont l'air cool. Non, en vrai, c'est des Jordan. Ah, je vois ça, c'est pour ça. Oh, des Jordan, toi, t'es bien, toi. Tiens, poète. Il a dû le payer bien cher. Vas-y, mets-toi vite fait dans l'ombre. Il fait gaffe à tes yep. Fais gaffe, man. Vas-y, t'inquiète. Petite de marcher pied. T'as l'habitude. Enfin, c'était comme ça. Casse-toi, ouais, je vais me casser. J'aime pas cette collection, vas-y, garde-la. Oh, aussi. T'as de la chance. Putain, les gars, faut tellement vous généreux. Le char, voilà. Bon, vas-y, les gars, moi je vais bouger, hein. Ah, man, on a pas terminé avec toi, man. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore On n'a pas terminé avec toi, man. Ouais, ouais. Encore un peu de temps. Il est en train de faire les explications, man. Voilà, les explications 2. Ouais. Bah, je t'explique Ingrid, je t'explique notre quartier, notre gang. Vas-y, explique-moi. Si tu veux, en fait, parce que Conforama, ça nous appartient, man. Ah, c'est à vous, ici. Ah, je savais pas, voilà. Ouais, c'est notre quartier, man. Tout ça, ça merci pour les travaux, hein. Ah, mais t'inquiète, man. T'aimes bien travailler. T'aimes bien travailler pour Ingrid. Tu vas continuer, man. Ah, j'aime pas, hein, mais. J'ai jamais dit que j'aimais bien. T'aimes pas ? Ouais, c'est chiant, quoi. Pourquoi t'aimes pas ? Ça, ouais, c'est chiant, voilà, frère. Je vais pas te mentir, c'est chiant. Mais t'as envie de faire quoi ? Je sais pas, frère. Moi, j'ai. Pas dans, trop d'ambition dans la vie, hein. Je suis là, j'attends les opportunités. Pro, t'as quoi d'autre à proposer ? T'as un mec physique ? Moi ? Je pense pas. C'est qui a dit je pense pas ? C'était moi. On est bon ? Mais pourquoi tu penses pas ? En tout cas, c'est pas un mec. Putain, des gaines et tes chaussures, je pense pas. Tu sais quoi ? Quel rapport avec mes chaussures ? Bah là, c'est pas les chaussures, là, c'est les chaussures tu de travail. Ouais. 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 Tu sais parler ? Ah, moi je suis le roi de la parlotte, comme t'as pu le voir. J'ai failli vous faire oublier que je devais donner ça. La veste. Ouais, je vois ça. T'as failli, man. Ah, t'es pas loin, mais vous êtes un peu trop. Y'a trop de cerveaux réunis là. Continue. Vas-y, continue. Ouais, et là, Ingrid, elle te propose du travail. Tu vends des meubles et elle te passe des thunes. Nous, en tant que balas, quand tu vas faire tes petites courses, on va te protéger. Tu vois, les jaunes, ils aiment bien braquer les gens comme toi qui taffent. Les verts, pareil, ils aiment bien braquer les gens comme toi. Et nous, ce qu'on fait, on met des négros à nous. Sur le circuit pour qu'il surveille. Au cas où un jour tu vas te faire braquer, un négro il arrive, il te défend, man. Okay. Mais pour ce genre de choses, on fait taxer 50$ le mec. Pour toi, pour les petits. Frère, pour l'hôpital, pour l'école. Ah, ok, voilà, je comprends. Voilà, voilà, je comprends. Donc, toi, mais... je te demande juste un petit 50$ si tu veux contribuer. Au bonus, voilà, tu vois. Je préfère. Un mec bien, t'es un mec cool. Ouais, je suis un mec cool, mais voilà, voilà. Ouais, ouais. Je préfère me faire braquer, je te jure. J'ai... Je peux me défendre tout seul. Après, s'il m'arrive une couille, il m'arrive une couille. Genre là, maintenant, là, tout de suite, maintenant, si t'arrives une couille, tu préfères te faire braquer maintenant, là, que de filer 50$ pour aider mes putains de petits du quartier pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils finissent pas comme des putains de sauvages comme nous. C'est ça que t'es en train de me dire, mon pote. Frère, moi aussi, je vais avoir des enfants. Je préfère aider mes propres enfants. Je préfère aimer tes propres enfants que les nôtres qui sont ici. Frère, qui crèvent j'ai pas. Eh, hey, hey, écoute, tout le monde crève de faim. Pourquoi vous travaillez pas pour Ingrid et vous donnez pas 50$ aux gosses de. C'est ce qu'on fait. Mais maintenant, on donne bien plus que 50$ ici, au petit du quartier. On travaille bien plus que toi pour Ingrid, mon pote. Ah, ben ça, j'y peux rien, moi. Moi, j'y ai rien demandé, hein. Je suis venu, j'avais un travail à faire. Tout était ok avec Ingrid. Pourquoi maintenant on me parle de 50$ en plus, man? Je paye déjà les impôts. C'est rien. Je paye. $50, c'est rien. T'es un ouf, toi. $50, c'est combien de meubles? T'es un ouf, c'est au moins 7 ou 8 meubles. Ouais, man. C'est rien. Là, c'est rien. Commences... Tu les fais pas, les meubles, toi? Moi, je les fais, frère. Écoute-moi. Tes meubles, on les fait tous ici. Nous, on te demande $50 si t'as envie d'aider petit. Et quand tu aides un balas, le balas est toujours reconnaissant envers toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu veux aider, tu veux contribuer à notre œuvre, à ce qu'on veut faire avec les petits, ce sera bien vu. Mais si tu veux rien. C'est un putain d'investissement à long terme, mon pote. C'est un investissement. Si tu veux éviter de passer pour un trou du cul ici, c'est $50, c'est pas trop cher. Après, comme il a dit, mon pote, hein, tu veux pas, y a pas de problème. Ah, pour après, l'instant, moi je vais pas te mentir dommage, là. Et attends, c'est $50 tous les combien de temps là? Tous les une fois. Comment ça? Ah, tous les une 50, fois tu payes 5, tu payes 50 putain de dollars une fois et après. C'est bon, t'es tranquille, mon pote. Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, je préfère économiser pour m'acheter une voiture. Ensuite, on verra si, si j'ai envie d'aider les petits. Ah, pour l'instant, voilà quoi.
Putain, ça me... c'est que ça me brise le cœur ce que t'es en train de dire là. Pareil, moi. Frère, chacun, moi j'ai des ambitions. Je suis quelqu'un de pragmatique. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais pas d'ambition, mon pote. Non, j'ai pas d'ambition dans la vie. Mais là, tu vois, mon objectif c'est d'acheter une voiture. Tant que j'ai pas ma voiture, je travaille. Si Ingrid elle veut plus m'embaucher parce que je donne pas l'argent petit, je trouverai un autre travail. Tu je repartirai à la plage. Attends, attends, tu veux une voiture, mon pote ? Ouais, je veux une voiture, ouais. Demande, on t'apporte. Deux secondes, man. Tu veux une voiture, on te les passe. Ah, ok, ok, lourd. Tu veux quoi comme voiture ? Eh, voiture simple. Je suis un homme simple. Je suis un homme simple, une voiture simple. Non, une voiture qui roule. Et c'est bon. Partout, j'imagine. Ouais. Discrète. Discrète, tranquille, au calme. Comme je t'ai dit, je cherche pas de problème. Non, tu vas tomber, mon négro, il va te ramener une voiture. Oh la chance. T'as de la chance, voilà, man. Voilà, mon pote. Je te mets une putain de voiture et je te la vends 50$, mon pote. C'est pas cher. T'as les papiers de la voiture ? Ouais, ouais, ils sont à l'intérieur, mon pote. Tu peux les voir ? Ouais, ouais, vas-y, regarde. Ah non, tu peux aller me chercher les papiers de la voiture, plutôt, j'ai envie de reformuler. Dans la boîte à gants, tu veux que je te déroule le tapis rouge et que je te suce la bite juste après ou pas ? Non, frérot, je veux juste que tu me donnes les papiers de la voiture avant de rentrer. La carte grise, tout ça, c'est logique. Non. Si t'as pas, ouais, parce que là tu me prends pour une bille quand même. Moi je suis sympa avec vous. Pourquoi moi tu me prends pour un con maintenant? Moi j'ai toujours été sympa. J'ai été cool. Je te prends pas pour un con, mon pote. Je te prends. J'ai été cool. Mais après faut pas abuser de ma personne, t'as vu? J'abuse pas du tout de ta personne, mon pote. Tu crois on l'a tous entendu sonner la voiture là? On a tous entendu l'alarme. Dis juste, tu veux me faire rentrer dans une voiture volée? Non, moi je t'ai dit je vais acheter une voiture à moi, à mon nom. Tu sais quoi, mon pote? Attends, ouais. Attends. Oh, tranquille, Noah, calme-toi. Non, je parle pas mal, je suis dans le respect, toujours dans le respect. Non, non, je parle pas à toi, mon pote. Pas à toi, mon pote. Pas de soucis, mon pote. Juste. C'est quoi ? Cette caisse, tu la prends ? Si t'as un problème, tu sais ce que t'auras qu'à dire. Si t'as peur, tu diras que c'est à Scott. Scott des ballasses. Tu vois ? Tu diras que c'est moi qui te l'ai filé. Ok. Ok ? Ouais. Ça t'aura pas de problème. Et tu penses que l'agent de police qui va m'arrêter, il en a quelque chose à foutre de ça? Enfin, tu vois, genre, il va me dire, ouais, tu te fous de ma gueule. Man. Moi, je connais la police, je sais comment ils taffent, ils s'en battent les couilles. Mais combien de fois. Si, comme tu parles bien et comme t'aimes bien baratiner les gens, ça devrait passer, mon pote. Ouais, ouais, mais. Tu diras que je t'ai forcé. Je trouverai un truc pour, tu vois, pour tout mettre sur mon dos, mon pote. Ouais, mais tu sais, moi, je veux te dire un truc, la police, ils ont des quotas. Donc, eux, ils s'en battent les couilles. T'as commis un délit, tu payes. Que ce soit Scott ou Scott, les frères Scott, qui tu veux, qui t'a forcé, ils s'en battent les couilles. C'est toi qui es dans la voiture, c'est toi qui payes. Bref, moi je vais pas te mentir, les 50$, je vais les garder. Je vais aller manger un bon tacos là. Ensuite, je vais me mettre au boulot. Je vais travailler, je vais acheter ma voiture. Et une fois que j'aurai acheté ma voiture, je viendrai, je te donnerai tes 50$. En cash, en billet de 10 même. 10, 50$. Tu pourras aller acheter des yaourts aux enfants. Et une fois que tu auras acheté ces yaourts, on sera cool. Il y aura la protection et il n'y aura pas de problème. Et tout le monde sera content. Ça te va ou pas? Moi, ce qui m'irait, c'est si tu prenais le cadeau que je t'ai filé, mon pote. Non, je vais pas le prendre. Je te le dis dès maintenant. C'est un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. C'est ton Scott, mon pote. C'est pas ouais, il n'y a pas de problème. Si t'as de l'ambition, tu verras. Accepte mon putain de cadeau et si t'as de l'ambition, tu verras. Un conseil, après, si t'es une petite fiotte, y'a pas de problème, tu peux rentrer à pied. Moi, je te file une bagnole. Non, je vais rentrer à pied. T'en fais ce que mec. Tu veux. T'en fais ce que tu veux. Ouais. Bah, quelqu'un veut une voiture ici ? T'as l'ambition, mon pote. Quelqu'un veut une voiture ? Toi, peut-être ? Non, tu veux pas de voiture ? Toi, la lunette, non, tu veux une voiture ? Bah, pourquoi personne veut une voiture gratuite ? Je vous l'offre. Parce qu'on a tout le temps des voitures gratuites, moi. Bah là, elle est là, elle est ouverte. Tu la veux pas ? Personne veut une voiture gratuite ? Man, mais toi, t'as pas de voiture. Nous, on a déjà des voitures. Pourquoi toi, tu la prends pas ? Elle est gratuite, elle est devant toi. Parce que moi j'ai envie d'acheter la mienne. Quoi, tu crois qu'il y a l'armée, il va te bon, dessus avec ça. Moi je la veux pas, tonton Scott, voilà. Donc personne la veut.
Vas-y, moi je la veux en fait la voiture. Et bah voilà, tu vois, bah prends-la. Prends-la et casse-toi. Prends-la et salam. Voilà, c'est cool. Bon. N'hésite pas à revenir, man. Y'a pas de problème, les gars. Moi je vous souhaite une bonne soirée, c'est bon, on a fini. N'hésite pas à revenir, man. N'hésite pas. On a fini. À la prochaine, man. Lui il va bien taffer, nous. Ça, les gars, lui quand vous le recroisez, vous lui proposerez du boulot. Ouais, t'inquiète, man. Lui, je l'oublie pas sa tête. Là, t'as un mec cool. C'est bon, tonton Scott. Ça se trouve, il bosse bien. Hein. Tranquille, mon pote. Allez. Recalme. T'as bien bossé, tu dois aller te reposer. C'est ça. Vas-y. Bonne soirée, les gars. Ouais, mon pote. C'est bon. C'est bon, je m'en suis bien sorti. Déjà, ça, c'est... Genre c'est typique le gang que je rejoindrai pas. En vrai c'est un gang où tu vas te taper des barres mais... Genre ils sont trop pas professionnels wesh. En mode moi je vais accepter de prendre une voiture volée devant des témoins, devant tout le monde frère. T'es un ouf, casse ta mère. Je vais rentrer à pied comme tout le monde frère. Ça va hein, j'ai pas perdu la face. Parce qu'en gros faut faire gaffe au fire RP. Et faut aussi doser tu vois l'ego de ton personnage. C'est ça qui est... C'est ça le plus dur avec... Dans GTRP, c'est que tu dois gérer ton ego de personnage. En gros, tu sais, mon perso, genre, il a le sang chaud, il a déjà fait des trucs et tout. C'est pas un bouffon. Même s'il joue le bouffon, c'est pas un bouffon au fond. Du coup, dès que vraiment ça commence, il commence à casser les couilles, le mec en face, dans mode frère, ouais, ok, on rigole, mais c'est bon, tu vois, je te parle dans le respect, reste dans le respect. Et voilà. Parle aux admins après pour les N-Words. Bah après, moi, j'y peux rien, genre, c'est dans leur RP. Ils doivent sûrement pas stream ou quoi, du coup ils s'en battent les couilles et je vais jamais dire à un mec qui stream pas arrête de faire ça dans ton RP, tu vois, dans leur RP. Leur RP en vrai il est archi cool hein. Je le trouve archi bien en vrai. C'est archi bien joué, le tonton Scott, le daron là avec la coupe. Incroyable, en vrai, incroyable hein. Incroyable, incroyable. T'y peux rien mais ça va te faire ban bro. Non je pense pas, je pense pas. C'est l'un des plus gros gangs du serveur, ok ok. Bah moi je pense. Parce que tu vois, quand le mec il a pris la voiture, ils ont dit ouais lui, nanani, on va lui donner du boulot la prochaine fois qu'on le voit. Je pense que j'ai fait une meilleure impression que lui, tu vois. Si jamais il devait recruter un des deux, je pense que ce serait moi, tu vois. Enfin, c'est plus logique. À part s'ils sont en mode bas les couilles, on prend celui qui fait le plus de merde possible. Parce que moi j'étais en mode de chill, tu vois. Genre je sais rien d'eux, je le connais pas, je vais pas accepter de prendre une voiture volée devant mes yeux. Comme ça, tu vois, c'est logique. Je reste dans la cohérence de mon bail, tu vois. Ça arrive tellement de fois sur les autres streams en RP, le N-word, tu vas rien prendre. Ok, ok. Il y a des streamers qui disent le N-word, il n'y a pas de ban. Ok, ok. Pas de ban pour le N-word. Ok, ok. Nice. Mais ils recrutent que des Renois. Non, j'en sais rien, frérot. Je n'en sais rien. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie de le savoir. Mais j'ai appris un truc de plus. C'est que du coup, il y a les Vagos, il y a les Ballers là. Les Ballas, pardon. Est-ce que tu connais c'est mes handicapés pour le subprime. Il y a les Ballas et il a dit il y a les verts. Il a dit il y a les jaunes, il y a les verts, il y a eux. Il a pas prononcé d'autres couleurs. Du coup, Hakim, il sait qu'il y a trois gangs. Et en vrai, ce groupe est vraiment lourd. Ah non, mais ils ont un RP de fou. Hein. Ils ont un RP de fou, no joke. Hein. C'était grave stylé. Genre, on aurait grave dit un film. C'était trop fort. C'était trop fort. Vert égale Groove Street probablement. Ouais c'est ça je pense. Bon les gars, il est 3h30. Je vais stopper. En vrai c'était cool cette dernière scène. Elle était cool, ouais c'est divin, le RP c'est vraiment un autre monde. J'ai pas vu tes streams Taour sur Flashland, mais ouais là c'est vraiment un truc de ouf, voilà. C'était 10 juste heureux qu'ils ont pas tous parlé en même temps. Ouais c'est ça. En fait il y avait une hiérarchie. T'avais le mec en débardeur là qui m'a demandé la veste. Arrête avec tonton Scott et t'avais un mec qui, tu vois, qui baragouine, il raconte sa vie tout le temps. Et voilà, mange et bois avant de déco. Ah ça... Ouais comme ça demain je suis bien. Jus de carotte, merde. L'américain. Ça va, on a fait des petites rencontres au calme. Il s'appelle le Purple Gang, ils l'ont dit. Je sais pas. C'est vraiment pas flashman, c'est bien pour ça que j'ai précisé que c'est un autre monde. Ok, parce que j'ai pas suivi du tout, je sais pas... Vous pouvez pas utiliser cet item. Jure, il y a des trucs périmés et tout. Calme. C'est quoi la proc de la semaine en fait? On n'a pas eu le temps de la faire. Attendez, j'ai reçu des SMS.
it's a raw vegetable app, a raw vegetable entree, okay. And some kind of vegetable dessert. Lourd. Jure que tu bois de l'alcool, ça, Harki, tranquille, c'est... Au calme, wesh. T'as vu la barre, comment elle se remplit vite avec la jupilaire. Tu sais ça, frère Hakim, ouais, il s'en bat les couilles. La barre est remplie, la maman est heureuse. C'est quand la suite? La semaine prochaine? Je pense que là, en vrai, ça m'a grave remotivé à jouer. Ça m'a grave remotivé à jouer, en vrai. Et 100% Daven, il t'a amené là-bas exprès, il a dit, ouais, je vais te monter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que Daven, il est avec eux ou il y a un truc avec eux, tu vois. Mais j'ai pas voulu prononcer son blaze, justement, au cas où. Je voulais pas leur dire est-ce que vous connaissez Daven. Et voilà. Enfin bref. Le système illégal est vraiment cool sur GTA Live. Si jamais je suis à ce point avec Kim, il y a des quartiers pour vendre et tout. Ouais, j'ai vu. Enfin, on m'a expliqué un peu. C'est quoi ton serve? Vous êtes combien? C'est pas 5M. Si, c'est 5M. C'est quand même écrit en haut là-bas, wesh. C'est 5M, c'est GTA Live, Taour. GTA Live. Et je crois que c'est 64 slots. En gros, on m'a expliqué. La map est divisée en deux. En gros, là, genre là, il y a 64 personnes. Et en haut, il y a 64 personnes, si j'ai bien compris. Un truc comme ça. Car j'ai le truc 5M. On m'a dit, il y a des serveurs. Ouais, il y a des serveurs à 500, 600, mais bon. C'est le dawa. Moi, je préfère un RP où il y a moins de gens. Parce que moi, en fait, je jouais à GTRP, il y avait 30 personnes. Du coup, rien que 64 personnes dans le coin de la ville, c'est incroyable. Tu vois, il y a tout le temps des rencontres, des mecs et tout. Alors, comment expliquer? Genre 500 personnes, je trouve que c'est un peu trop. Après, je connais pas. Stream GTA samedi, c'est possible. Enfin, un jour ou le lendemain, c'est pas les cours THX. Ouais, si j'en streamerai plus tôt. Parce que là, je dois faire des rencontres. Je dois vraiment rencontrer des gens, tu vois. Rencontrer des gens, prendre, créer de la confiance, créer des liens et tout. 128 x 2 prochainement. Et voilà. Ça lag, rage MP, ouais, j'en sais rien. Bref. On coupe à 44, frérot, va boire. À Marseille, je crois que c'est tranquille, hein. Le soir. Je crois que c'est tranquille. Bon, vas-y, les gars. Moi, je vous mets une petite page de pub. Merde, attendez, faut que je reprenne le truc. Je vous mets une petite page de pub. Merci d'avoir été aussi nombreux. En vrai, c'est lourd. Ça fait grave plaisir. Je vais refaire le cosplay parce que celui-là, il était raté. Celui-là, il était raté. Je vais le refaire. On avait plus de budget. On avait plus de budget. Je vais refaire le cosplay. Hop. Je prends juste la fin de live. Alors. Il n'y a pas... Ah non, j'ai pas la fin de live. On l'a pas mise. Je vous mets une petite page de pub, dormez bien. Et on se retrouve demain pour la suite. En général, lundi, c'est les jours de repos. Mais demain, je pense qu'on streamera... On vous tweetera la prog et tout sur Kametocorp. Juste on n'a pas eu le temps de tout faire. Vas-y, petite page de pub et bonne nuit. Y'a Niski qui stream, vas-y, je l'hosterai à la fin de la pub. Bonne nuit les amis. Bon, je mets ça en attendant. Comme ça, demain, je setup tout.